Peace and love. Mika Football News. Zonza. Mika Football News. Mika Football News. Mika Football News. Mika, Mika, Mika. Bonsoir, tout le monde. Alors, comment on a trouvé là, analyste, moi avec l'homme qu'on appelle Gauthier, parce que Sébastien avec Abel bloqué aujourd'hui, ils ont coupé, voilà, là, manifesté, Sébastien, on a coupé nettoyer, on a coupé, il a un petit aide, comment dire, il a désinfecté, ban mort, ban toussé de stade ultra-faude, alors il avait bloqué aujourd'hui, et Abel, il disait, pourquoi pas, il avait manifesté ici pour Liverpool, moi, avec un autre dirigeant, il s'en est toujours, nous, l'équipe, toujours un peu fou, donc je peux manifester, même si je peux faire une parade, mais encore, je me trouve quand Kael, Kael qui veut partir, c'est mieux, comme moi. Kael, ça allait être 3 Sébastien, 3 Abel, c'est qui nous a un problème. Alors, juste pour vous connaître, qu'ils ont dit, nous, parce qu'on a un peu vite fait la Ligue des Champions, parce qu'on connaît un match retour à Manchester City qui vous a contre le PSG, mais qui dans Maurice, il y a beaucoup de fans PSG qui sont contents. Sur PSG, ça fait, après PSG, ça fait très très longtemps qu'il y a un Mauricien content. Pas quand je viens de piste, pas quoi que ce soit. C'est un clip de cœur qui est un Mauricien content. Et Manchester City aussi qui commence, il y a ce monde chez fanbase dans Alain Maurice. Mais bon, il y a un coup de vue du public aussi qui s'est arrivé. Et après, nous, pour cause de ça, incident, encore toujours, un autre opinion, encore, ça, incident qui est arrivé dans Manchester United, là, au travail, etc. Vite fait, le rouleau aussi. Et le main topic, c'est qu'il nous pourra accueillir. Combien il y avait des 4 invités, non, Gauthier? 4 invités. Trois invités. Parce qu'en fait, il y a 4. Sorry, hein, ouais. Moi, la fin, parce qu'il y a un divan, mais nous autres, mais ouais. La France, c'est un gros divan, puis il y a nous. Alors, trois invités, le grand sort encore, qui est là aujourd'hui, alors qui est là aujourd'hui avec nous, qui veut prendre son lit sur parche pour le foot et pour le numan, trois, c'est le plus facile. On a Antoine Bousson, capitaine Rasta. Capitaine Rasta, qui est là aujourd'hui, qui est ici, il nous porte. On a fait un peu de temps, tout le monde avait là. Donc, restez une famille et comment se connaître, portez-la avec la famille. Like, comment, amène ce soutien à l'équipe Mika Football News et espérez, je t'apprécie le travail qu'il nous peut faire.
Alors voilà un peu. Alors Gauthier, est-ce qui ban habité il finit par arriver? Yes, nous n'en sommes. Et aussi, il y a d'autres qui nous direct sur notre page, non, notre chaîne YouTube, Mika Football News, et nous aussi en direct sur la radio Tropical Jam Studio. Ah ouais, ouais, ouais. Tropical Jam Studios, alors, surtout sur le website, puis défilé en bas là, www.tropicaljamstudio.com. Si vous avez plus d'informations, qui peut dérouler là-bas durant toute la semaine. Alors, moi, je connais, même à la zone, DJ Doug, avec ce qui est plus connu sur Arrosé, Tchéqué, parce qu'il a voulu la femme même. Alors, Alan, qui est Moutandia, Martin Pézé. Ouais, mais c'est Moutandia, Alan, mon pépé, pas la pépé, ça va me dégoûter. Ganesen Vinti, il a big up Nathan Brothers. Nathan Brothers. Non, il a dit pas Nathan Brothers, on dit, mais il y a un point comme on dit, pourquoi Sébastien CP, dans la frière, il va bien que c'était là, on dit, en Arsenal, en Liverpool, qui l'a dit. Nathan pas là, on dit, Nathan pas là, représenté. Et il paraît pas qu'il y ait mon invité, mon invité de moque. Ah ouais, mon invité de moque. Monsieur Sadio, bonsoir. Tout, le grand Sadio, encore qui donne la place. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir. Ça va, plaisir à tous. Ouais. Plaisir à partager, nous aussi. Alors, il y a autre émotion, c'est ça? Qui, de oui, c'est ça. Le football vivant avec la technologie. C'est ça qui est bizarre, c'est Sadio, on m'a venu ici, One Fighter, très connu pour la passion, pour la manière de faire les choses aussi, il fait autant nous la voir, comme on le dit là, vous êtes très connu pour ça, et grand respect, et merci beaucoup pour tout ce qui est en groupe et fait pour le football local, et ça fait nous énormément plaisir, nous, qui on a accepté une invitation dans Mika Football News, alors merci beaucoup, M. Sadio. Plaisir. Alors, il y a le capitaine de Rasta qui est là aujourd'hui. Oh, tiens, bonsoir, comment ça va, mon frérot? Bonsoir, ouais, ça va très bien. Ça va très, très bien. Et ça fait la plaisir forme. D'être. Ouais, la forme est là. Et ça fait plaisir de participer à l'émission. Mm-hmm. Ouais, je vois ça parce que j'ai vu tes entraînements là. Hein. T'es à fond dedans là, mon gars. Juste, si tu peux baisser la télé, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci beaucoup. D'accord, c'est pas de mon côté ça, il n'y a pas de télé. Ah, c'est comme M. Sadio. Ouais, attends, le terrain Radio Plus ça. Ah, Radio Plus. Et mon rappel, c'est qui est Arthur. Arthur, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, disons, je m'appelle Arthur Bosson, je suis ivoirien, ça fait 3 ans que je joue dans la Ligue de Maurice. 2 ans que je joue avec les Rastas, je suis capitaine des Rastas. Grande Rivière Sud-Est, c'est l'équipe. C'est bon, ok. Voilà. Et alors, là aussi, Adèle Lang. Pas Abel. Hein. Pas Abel, Adèle. Adèle. Bonsoir, monsieur Sadio. Hey, ça va, Adèle? Pour un coup. Tout ça, c'est bien, tu es là, au gain là. Si vous pouvez essayer. Ok, ça va ou quoi? Ouais, ça va, frérot. Et toi? On est là, hein, tu connais. Tranquille. Ouais, c'est ça. Ah, tu es ivoirien ou camerounais? Oui. Ah, non, ivoirien, de Côte d'Ivoire. Ah, ok. Côte d'Ivoire. Alors, comme quoi, Adèle, si ton Mr. Sordi, Adèle, Mr. Sordi, on va vous gagner sur les autres. Non, on va gagner l'occasion. Là, tu vois. Et moi, j'ai un immense plaisir. Le jour où on part, tu sais, le saplaté, là, un deuxième fan national, le plateau. Aïe, papa. Montez les tricolores, faites le balade. Roland Mogoucha qui est à côté de toi, qui n'a pas de radio. Non, moi, non, je comprends que Roland, moi. Mathieu. Ouais. Vas-y, lance-nous les mots magiques. Non, 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 pas, non, 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 non.
pas maintenant aussi. Non, pas dans le live. Mamo Magique qui t'aille sur l'objet. Non, ensuite, c'est au cas où mon frérot te comprend, c'est au cas où tu te paies un peu par la vitesse qu'on prend le créole, parce que quand tu vois, moi c'est l'express, tu vois, c'est l'express, je parle très vite, je parle très vite, alors si, comme si tu te payes, fais-moi signe, dis ouais, j'ai rien compris là, arrêtez un peu le bus, là, le t'es TGV là. Tu es défenseur, non, Oui, tu es défenseur central. Ah oui. Ouais. Alors voilà un peu, Romy ça sort du BPP. C'est position de prédiction, j'étais arrivé central moi aussi. Ça fait plaisir top, top, de participer. Adèle, live avec... ça je connais. Adèle est toujours milieu de terrain, récupérateur. Ouais, toujours récupérateur, c'est ça, 6-8. Ouais, 6-8. Ouais, pourquoi on amène le rôle Bruno Fernandez ici, les budgets, pas connu là. Ah ben qui l'a invité? Qui l'a invité comme ça, Adèle? Il a tout bonne qualité, hein? Il a tout bonne qualité, il manque juste la sens. C'est qu'il trouve la pote, il peut attendre, il peut attendre la pote là, ouvert encore, il cabouse encore. Moi, mon passé, il a tout. Un plaisir, mon connu garçon là bien, mon guettis de contre moi, comme tu es en train de starlight. Et oui, c'était un garçon extraordinaire. Je connais bien. Ce qui passe simplement par le talent, hein. C'est ce qui est important. Un joueur de foot, pour moi, c'est pas le talent seulement, c'est le respect qui est important. C'est parce que ça qui fait grandir un joueur. Mm-hmm. Ah, c'est vrai. Alors, merci. Voilà. Merci voilà beaucoup pour les conseils. Voilà, Adèle. Voilà, Adèle. Hey. Là, c'est moi, c'est mon business. Monsieur, je la connais. Adèle, ouais. Monsieur, je la connais seulement. Monsieur Sordu, là. T'as déjà trouvé quand même des choses comme ça, là. Maman, trouve ça Sordu. Nous connaissons dans mes chiens, comme ça. Pas comme ça, hein. C'est pas un training même là, pas un training, putain, dans l'entraînement, même putain, sorti dans mes chiens, putain, l'entraîner là, ça, t'es dans ce la voix. Alors, ça, c'est Monsieur Sordu, c'est que ça qui Monsieur Sordu, c'est le respect, qui, voilà, c'est un grand coach, c'est pour ça qui, voilà, c'est le respect est pour tout. Alors, Adèle, je suis la main de l'appel, explique-moi, enfin. Mika, t'es au Manchester ou bien t'es au Liverpool, toi? Oh, mon Liverpool, mon frérot, que t'es... Liverpool, t'es avec Bruno Fernandez quand tu étais là. Mais qui fait, hein? Non, moi, quand je suis petit, attends, moi explique bien. Quand je suis petit, vu Gingman, la famille de Manchester, moi de Manchester. Mais après, au fur et à mesure, je grandis, je suis plein d'équipes, même mes fans die hard. Je suis plutôt guetté pour apprendre, je suis beaucoup football, mais la plupart de l'équipe, je suis football plus pour apprendre qui genre un supporter. Ah, super. Ouais, voilà. Ça, c'est... super. Pour moi, personnellement, moi, je suis content Leeds United à l'époque. Ouais, dans mon époque. Super. Après, quand je suis Leeds, je suis à Newcastle. Parce que je suis là-bas. À ce moment-là, Arsenal, parce qu'ils m'ont adoré Arsène Wenger. Franchement, moi aussi, parce que quand tu commences à passionner pour le football, et ça même entraîné que tu tapes dans mon œil, c'était Arsène Wenger. Et c'est tellement un grand. Bon, il mais pour moi, c'est Wenger. Ça, Alex, il a beaucoup de respect pour lui parce que c'est l'arrivée de Arsène qui révolutionne le Premier League. Exactement. Comme on dit ça, il y a du monde qui a compris qu'il fait, mais si, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont copié lui. Mais ça, si on cause, si mon coach il cause, bon, tout, tout mais, mais c'est bon, quand on partage des affaires, entre Alex Ferguson, Arsène Wenger, et après, tu as un autre grand entraîneur, tu as un entraîneur italien qui te fait ce gourou. Tu appelles Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, c'est l'entraîneur qui finalement a une méthode, une façon de penser différente, parce qu'il entend en italien, tu es Catanasio. Mais défense, bloqué, Arrigo Sacchi, si tu amènes le football, que tu es beaucoup plus créatif. Et ça m'a entraîné là, il fait un petit peu de banna. Je tiens un petit peu de ce qu'Arrigo Sacchi était. Mais la plupart des coachs, même un coach moderne,
même football moderne, même Pep Guardiola, c'est qui est Arrigo Sacchi, hein. La plupart, même Cruyff, le moderne qui est entraîné là. Et après le départ de Cruyff, il n'y a pas aucun entraîneur qui pense pour la révolution du football. Il n'y a plus. Nous payons. C'est là que Banatine vient avec Sipa Super League, Sipa Bande d'affaires, je pense, casse avant, mais Cruyff, pas tu penses, casse. Cruyff, tu penses à une façon, comment nous pour révolutionner le football, comment le football de demain, quand il peut être. C'est Johan Cruyff qui te pense ça. Et nous avons de là qui sortit avec lui, nous avons peut-être qui un petit peu la crème du football espagnol, il sortit un petit peu ce qu'il n'a pas avec Cruyff sur l'époque de Barcelone. Mais là, aujourd'hui, pour demander un entraîneur qui fait la une, qui est assisé, qui réfléchit le football de demain, il n'y a pas. Mais non. J'attends, on ne va pas retrouver plutôt. Et toi, Arthur, tu as une équipe en Angleterre là, que tu supportes? Oui, moi, je suis plutôt Chelsea. Mais après ça, j'aime aussi Manchester à cause de Bailly. Je suis plutôt fan de Bailly. Ah, Bailly, bien, c'est ça. Il est fort, lui. Malheureusement, il ne joue pas trop. Il a eu beaucoup de blessures. Mais si vous faites. Moi, j'aime bien le football ivoirien, hein, parce qu'à l'époque, quand je suis allé à la Coupe d'Afrique avec Sunrise, je suis content de faire beaucoup de recherches sur le football africain. Et Côte d'Ivoire, c'était Africa Sport. Et puis tu avais ASEC. C'est deux mondes différents, hein. Un seul pays, mais tu as des qualités de football différentes. L'Africa Sport, c'était des joueurs physiques, costauds. Et l'ASEC, c'était un joueur petit, mais très dynamique, très, très technique. Vous connaissez vraiment, parce que c'est exactement ça. Oui. J'ai fait des études parce que je ne savais pas que demain, tu peux avoir des adversaires. Oui, des adversaires de différents pays. C'est là que tu as la tendance. Et puis, j'ai rencontré certains quand j'étais en cours avec eux en France ou en Hollande ou en Allemagne. C'était comme ça. J'ai les rencontré là-bas. Les entraîneurs. Oui, je vois. Voilà un peu, tu vois, spécialiste sur le Patomica Football News, c'est sorti du train, pas besoin de causer, c'est sorti comme ça, on s'en dit, il nous amène meilleur là. Alors, va contre la place, DJ Doug qui la place, ouais. Ah ben, il est vraiment, c'est lui, il est fort, un grand respect. Quand moi-même, il me dit, Mr. Sordu, je ne comptais pas Mr. Sordu, je dis, Gauthier, Mr. Sordu, il dit, bah ouais, Mr. Sordu, ouais, mais c'est rien, Mr. Sordu. Alors, on n'est pas pousseuse. Nous avons un coup là, au fait, nous avons tout l'état vite fait. Là, ça a un incident qui est passé dans autre info. Là, nous savons, parce que vu que nous avons cause de football en même là pour le moment, un incident qui est passé là, Manchester United, est-ce que, pour moi, sincèrement, je crois que je fais Liverpool, qui voilà, je fais une vidéo humour, Liverpool ici, Manchester là-bas. C'est ça, c'est simplement parce que moi, je suis chômage, j'ai besoin de faire ça avant d'arriver là. Alors, moi, Colito, lui, ils sont dans la place aussi, de la Réunion, alors, big up à ton Colito. Alors, moi, je fais une vidéo humour, mais c'est moi, pour moi, sincèrement, ce que Manchester United fait, Manchester United fait, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qui fait, banal reste causé. Une diamant dirigeant là qui se rappelle d'accord certains questions qu'ils ont fait là on connaît Super League etc. Ils ont fait plusieurs présentations en dehors du stade. Ils envoyaient plaisir à email aussi que ces exprimes du mécontentement mais là ils fait soude comment dire ils fait soude pas prendre en considération. C'est pour ça qu'ils ban France ils sont en colère et qu'ils se demandent au terrain. Mais bon, les bon d'un côté, les bon d'un mauvais côté aussi, parce que je ne pas utiliser à craser mon équipement, je ne pas utiliser à blesser Jimon aussi, je ne pas utiliser à faire ça avant qu'ils se prennent des questions. Je suis capable de dans le terrain pour montrer qu'ils ne sont pas plus contents de ce qu'ils m'ont fait. Mais est-ce que, ça c'est mon opinion pour moi, hein, bien sûr. Alors, nous avons l'opinion de M. Sordu aussi, qui vous dit à nous un peu, qui pensait de là, après nous venons à Adèle, après nous venons à Arthur, parce que Adèle, on est à Adèle bienvenue. Alors, M. Sordu, c'est un premier là qui est arrivé une seule en première ligue. Alors, comment c'est là? Oui, pour moi, premièrement, si Moguetti, je le fais. Moguetti, je le fais. Je trouve ça comment capable un grand stade comme Manchester, sur sécurité, sur l'aspect sécurité, on rentre dans ce terrain directement. Tu connais le terrain en Angleterre, le terrain de foot en Angleterre. Les comment dire, une affaire vraiment suprême.
Un dimanche, pas un droit, moi aussi, avec un jeu de football ou un terrain. Comment, au moment de temps, comment ça donne beaucoup de respect? À l'époque, mon visite de trois stades, tu faisais faire attention, tu n'es pas mort sur le terrain. Il donne toi, tu plaques, tu moques, tu te dis bien pensé. Si tu es mort sur le terrain, tu as un steward qui est là, tout cas où toi, tu as maltraité toi. Ça, c'est le respect du terrain. C'est un petit peu qui fait pas fin de match, là, mon pensée. Parce que quand Banane, je tenais ça, l'affection du terrain, qu'ils n'ont pas les étrangers morts sur là. Ça, c'est une affaire qui, beaucoup du monde, pas quand même possible. Ça, c'est le respect du terrain. Maintenant, quand on guette le problème, les Anglais, je tenais sa grandeur, de l'ego gros, parce qu'ils ont quoi, c'est eux qui finissent avant le football. OK? Et autres quoi, ce qu'ils ont envie de faire, et ce qu'ils ont envie de faire là, pour donner une claque aux bandes dirigeants de. Je ne suis pas d'accord qu'Américains viennent manager une équipe anglaise. Aujourd'hui, le monde, il vient globaliser, il vient un village petit. C'est tout du monde, l'Américain, Qatarien, Banchek, tout peut rentrer dans le football parce que c'est du business, c'est l'argent. Maintenant, quand tu as la FA, quand tu as FIFA et puis tu as l'UEFA, tous sont des hypocrites. Parce que tout le monde, dans tout ça, dans l'association, derrière un seul aspect, c'est faire casse. Parce qu'ils n'ont pas guette la qualité du joueur. Et pour autres qui font, c'est parce qu'ils ont dit, la Manchester n'a pas appelé aucun supporter dans ce stade, mais ils vont faire profit. Parce que ce droit de télévision, ce droit de merchandise, ils vont gagner casse à ça. C'est ça le but, d'ailleurs. C'est qui l'aspect qu'ils ont oublié, c'est qui le football. Pour moi, ça qui est le plus important. Et oui, le France, c'était un bon élément. Aujourd'hui, je fais une parenthèse. Aujourd'hui, le football mauricien est mort parce qu'il nous manque un 12e homme le stade. C'est qui peine à 10 mounes supporters pour t'acclamer. Nous peinons ça. Aujourd'hui, nous sommes devant un stade vide. Là-bas, stade rempli parce qu'il est très familial, il est très, très. C'est pas que de supporters, de familial, il est connecté dans notre communauté. Et qui parle, écoute, je te suis. Mon pensée, oui, quelque part, je suis capable de réagir. Mais, à the end of the day, ce qui peut passer, c'est que c'est casse qui fait la loi. Je dis, la société, dans ce sens-là, qui est bougé. Malheureusement, n'oubliez la santé manzoya, n'oubliez, parce que ça te permet d'une Super League. Et pas oublier, l'UEFA peut faire une Champions League différente maintenant, là. Il propose faire une La Ligue, que Banana pose beaucoup plus de matchs. La FIFA finit faire un espèce champion du monde, champion d'Europe, par contre, côté sorti, la FIFA fait un champion du monde de club, quand il ajoute encore match, déjà, je tenais à la Ligue, la FIFA, il est long, la Ligue. Sorry, mon long, mais juste pour dire. Exactement, parce que c'est un peu ça qui m'a dit, qui m'a dit dans mon vidéo, c'est mal difficile pour se porter à prendre le terrain, c'est mal difficile, il faut les noms, je veux dire, un coup monté qui va nécessiter Watson, j'avais une grave, et la porte là, mais de bizarre, rentre pour là. Il y a une boule qui est c'est très très difficile pour te rester contre ce stade-là. Oui, après aussi, c'est une petite chose qui finit, comment tu veux dire, il finit manigancé. Mais aucune par rapport à sa manifestation que vous êtes fait là. Mais comment vous êtes connu, vous posez la question, hein, peu importe, les trois invités de Caparé peuvent venir. Et je ne fais ça pour l'argent, Mais nous prend pour le racisme dans le football. Est-ce que. Je ne sais pas si c'est le même contexte, mais pour les racistes. Ouais. Pour les racistes. Le racisme. Qui fait ce qu'il fait. Abel, qui a donné un petit peu plus, il donne à l'environnement là-bas. Tu as de vivre de football, tu ne connais qu'un compte plus. Oui, parce que dans Porto, tu es dans ça, la dernière fois. Ils ne m'ont pas trompé. Tu es un joueur en Portugal même, c'était. Mariga. Il y a plusieurs cas. Oui, il y a plusieurs. Voilà. Mais après, les villes loin d'affaires qui. C'est une question d'envie, en fait. C'est une question d'envie. Vu que, comme un tas de NGA, un plus grand NGA, et le fait que le racisme n'est pas. Comment vous voyez ça? Il n'est pas fait tiercasse, il n'est pas fait empêche-casse. C'est ça? Du coup, on n'a pas réagi. Mais pourquoi ça, là?
du type Super League là. Les pays amènent 4 points pour un parti, le parti pas peut gagner. Du coup, on a une réagir juste pour détruire un parti là, tu comprends? C'est ça. C'est qu'il y a des retiers, c'est qu'il y a une grande équipe. Notre revenu est divisé dans l'UEFA avec toute l'équipe. Mm-hmm. Ça veut dire que notre revenu diminue par nombre d'équipes. Tandis qu'à la Super League, juste parmi les meilleurs, ça revenu là reste en tout même. Le revenu va être beaucoup plus gros. Voilà ce qui donne le retrait à l'italien. Mais au niveau du racisme, l'Africain qui nous était, je dis, le meilleur joueur, c'est qui? C'est nous, Africains, qui meilleur joueur. C'est Africains, ouais. C'est vrai. Oui, voilà. C'est nous. Parce que c'est ça qu'ils ne veulent pas valoriser. Parce qu'ils font. Pour eux, ils ne veulent pas valoriser l'Africain comme un lettre, un artiste. Je valorise l'Africain comme un produit. C'est ça le problème. Si ce type valorise un Drogba, je dis un Drogba, il tient un grand joueur, avec toute cette qualité qui était. Oui, te trouve. Samuel Eto'o. Ouais, Samuel Eto'o qui n'est pas fait le chez Barcelone. Hein, je détruis notre qualité de Samuel Eto'o en Barcelone. Mm-hmm. Parce que c'est pas le type de joueur qui pour dire, le profil de joueur qu'ils ont qu'à mettre devant. C'est vrai, surtout par la peau, la couleur de la peau. Après, nous, man africains, nous comptons causer. Nous comptons causer, rien n'est pas bon, nous dire. Mais maintenant, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, en football français, il y a un gros problème. Il y a un groupe d'entraîneurs qui est assisé. Et il y a un dimon qui était déjà DTN à Maurice avant, lui aussi, qui était DTN en France. Et puis, il y a un entraîneur qui est un grand joueur, qui est un défenseur central, lui aussi. Et qui se type écosé, se type toi. Il y a trop beaucoup de joueurs noirs dans l'équipe nationale française. Au lieu qui. Je te rappelle ça, non? Je t'en encore rappelle ça, non? Ouais, mais parce qu'il y a un appel. Ça te pique là, il y a l'idée de vie, ça s'appelle. Ouais, mais t'as parlé, Même la dame, C'était même le grand François Blacor qui est chez nous, ici dans l'association, ici dans un meeting là. Et puis tu as l'ancien arrêt central de France, comment ça s'appelle? Tu es entraîné de PSG. Laurent Blanc. Oui, Laurent Blanc aussi, tu fais sa remarque là. Et ça te tombe mal dans, parce que à le fouiller dans l'internet, tu verras qu'il y avait ça. Ça veut dire, derrière les deux, je discute pas des choses pareilles. Mm-hmm. Et le racisme, je n'ai pas pour capable d'y aller. Ce qu'il lui a fait peut promouvoir, peut investir pour qu'il nous retire le racisme, que le FIFA fait. Sorry, pour moi, c'est du hypocrisie. C'est très difficile, très difficile. Ouais. Alors toi, Arthur, tu as vu un peu les manifestations, etc., des supporters de Manchester United. Alors pour toi, est-ce que c'est quoi ton opinion là-dessus? Disons, moi, je prends ça du côté d'abord du footballeur. En fait, les joueurs, que ce soit les joueurs de Manchester ou Liverpool, c'est une semaine de préparation pour eux. Donc, je suis un peu triste pour eux de n'avoir pas pu jouer ce match-là parce qu'ils se sont préparés pour jouer ce match-là. Donc, de ce côté-là, peut-être que les supporters auraient pu faire la manifestation juste à la sortie du stade, après le match. Mais moi, à la place d'un joueur dans ce match-là, j'allais être déçu parce qu'ils se sont préparés pour jouer ce match-là. Ça leur porte un peu préjudice de n'avoir pas joué ce match-là. Mais dans le fond, les supporters, ils font partie du football. C'est vrai, la légende a dit tout à l'heure, M. Sadio, que le foot à Maurice est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment le deuxième homme, c'est ça. Les supporters, ils font partie du football aujourd'hui. Ils ont leur mot à dire. Mais peut-être que ce n'était pas le bon moment. En tant que footballeur, moi, je le dis, ce n'était pas le bon moment ou la bonne manière de faire parce que le match n'a pas eu lieu. Là, les joueurs, ils ne savent pas quand le match va avoir lieu. Il va falloir se répréparer par rapport à ce match-là alors qu'il y a d'autres matchs et tout. Dans le fond, c'était bon, mais dans la forme, pour moi, ce n'était pas la meilleure des façons. Mais moi, je parle en tant que quelqu'un qui est sur le terrain, en tant que joueur. Voilà. C'est mon avis par rapport à ça.
les trois invités, trois différents un peu pareil, mais moi c'est une de bâtiments que nous trouvons même qui font pas si fait ça de sa façon là, monte au terrain, fait ça qui c'est comme ça parce que elle vient dans des, je pas vite en faire qui Banglaser démissionner du club parce qu'ils ont pensé qui Banglaser pas investi assez dans Matsinata. Donc bon, si je pensais que Banglaser pas investi dans Matsinata, pour moi c'est un peu comique. C'est une équipe, qui investit tout ça, beaucoup. Non, il investit, mais il mal investit. Mais Adèle, c'est investi. Me rappelle ma face. Ma femme, c'est ça. Eh, mais tu n'es qu'à ver. Parce que je ne sais pas si je fais dire là. C'est pas un investisseur, c'est pas un businessman, ça. Je ne sais pas comment ça, tu n'es qu'à ver. Ma sénateur, il a acheté Harry Maguire. C'est pas 80 millions. Le défenseur le plus. Plus cher au monde, c'est à dire que bizarre comment il passe le tout là, la Ferrari là. Vous avez tout là, vous avez la vitesse, vous avez tout là dans la Mr. Soldier. Là, je me demande comme ça qui a Harry Maguire, parti le premier choix de Manchester United. C'est même meilleur de vous plisser au monde, parti le premier choix. C'est à dire que Harry Maguire capable de montrer performance, bizarre acheter un joueur rapide pour mettre en ligne. Pour les capables de ce football. Non, il investit dans les jeunes. En Angleterre, par exemple, nous investit beaucoup dans une grande équipe, investit beaucoup dans l'académie. Donc, dans l'académie, ils investit beaucoup. Mais les joueurs n'ont pas joué dans la première équipe. Ils ont joué dans la Champions League, dans la première division, deuxième division. Championship, ils ont joué. Les mêmes qui ont trouvé qu'ils ont dit que les meilleurs jeunes d'Angleterre peuvent jouer en Allemagne, peuvent jouer dans Dortmund, peuvent jouer dans Bayern, au lieu qu'ils ont joué, parce qu'ils ne valorisent pas valoriser ces enfants-là. Et c'est là que Bana capable qui s'amène investisseur là, je peux rendre résultat tout de suite. Je de l'investissement avec assez un grand jeu à mettre là. Mais c'est là que Arsène qui amène la révolution en première ligue. C'est qui quand tu prends un jeune joueur et tu fais autre jouer et qui tu montes doucement et qui vend sa main là 10 fois 20 fois autre prix avec Bana de l'équipe. Ça, Arsène Fitferi. Et il conduit cette carrière. Ouais, au contraire, le Liverpool, quand on pense Liverpool, quand on pense Owen, on pense le gaucher. Le gaucher qui fait beaucoup de goal. James Bonds? John Bonds? Non, pas Bonds. Non, le gaucher qui... Fowler. Et puis tu avais... Si tu as fait sa manzana de l'époque, je beaucoup de matchs, qui sont sa manzana de l'époque, pas long. Tu as fini de l'époque très tôt. Quand tu as fait sa manzana de l'époque, tu finis beaucoup bonheur. Comparé avec un jeune joueur, moi, pour un Anelka. Anelka, quand tu es venu à Arsenal, il gérait. Je me rappelle, moi, tu as un Anelka, Maurice, il est venu avec PSG. Première fois, il est venu, c'était avec PSG à Maurice. Et il dit, et Motizuani tient l'hôtel Kokobic. Motizuani là-bas, moi je travaille là-bas. Et Motizuani. Et juste avant qu'il vienne Maurice, il s'y met un goal solo depuis le centre. Il prend une boule depuis le centre. Il marque un goal pour PSG. Avec ce vitesse de course qui était. Et moi, ce semaine ensuite, il vient Maurice. On dit, comment tu as un joueur comme toi? Tu es PSG, tu es dans la plus grande équipe. Et Motizuani, ça, sans blague, hein, sans Motizuani, franchement. Oui, Motidi Ali. Vraiment, quand il retourne en France, des semaines après, il signe pour Arsenal. C'était un grand joueur. Hein. En même temps, comment on a vécu ça, il y a Nawez qui me pose une question. Je trouve que nous sommes. Merci Nawez. Et Nawez, peut dire, moi, je pense que les fans sont bien faits, mais certains fans, il y a à l'extrême. Franchement, ça peut être pas la même parce qu'il y a trop long. Et, franchement, il y en a qui est à l'extrême, il y en a qui, comment dire, une manifestation dit bon, mais si il est à l'extrême, pas pour un ordre, ça veut dire, si pas, enfin,
Bon, il prend d'un côté manifestation. Ouais, ouais. Quand il y a une manifestation à Paris, quand il n'y a aucun tapas, ça veut dire qu'il n'y a pas de servir une manifestation. Aucun média va proposer. Ça veut dire que si pas n'y a pas de aucun mouvement. Mais on va trouver qu'il est bon, qu'il est dans le stade, une fête en train de t'avoir, une fête qui est occupée bien, mais sans aucun. Une blessure des jours, mais. Dans ce côté-là, il n'est pas correct, mais comment Ochoa Nzet est là, je ne serais pas fini après match, je ne serais pas fini après match ou quoi que ce soit, parce que Kibanzola est préparé pour ça, c'est un affaire qui te besoin, et tu vas faire avant de faire une manifestation, Kibanzola est préparé, chaque manifestation. Mais ça aurait dû vous penser un petit affrayé, vous pensez ça où? Non, vous pensez, et ben, l'anglais est à l'extrême parce qu'il se tocote bien. Moi, je suis allé un peu là-bas et je fais pas de mauvaises expériences aussi personnellement. Comme tu dis, Newcastle. Ah ouais, ouais. Bon, bien sûr, franchement, moi, être attaqué à comme tu dis, Newcastle. Un jeune anglais qui n'attaque pas, comme moi, c'est dans mon shopping mall de Newcastle. Ouais. C'est mon connaît qui fait ça pour couler la peau. Exactement. Et oui, juste pour dire, toi qui les Anglais, je te fais dire à l'extrême, vous pensez qu'il n'est pas banal seul, c'est un petit peu le comment dire, en Angleterre, tu as ça à l'époque, un hooligan, continuez à voir. Les hooligans, ça a commencé en Angleterre. Mm-hmm. Et quand on a des profils, ben, hooligans. Mais tu vois, c'est pas du monde qui manque de moyens. Il y avait des gens intelligents, c'est pas du monde qui a un bon poste, mais je suis content à l'aspect hooligan là, parce que je défoule le jeu. Ça aussi, je me rappelle, moi, tu as été un match de Paris contre 3-3. C'était 3, mm-hmm. ça, l'équipe là, oui. Moi, tu as été ça, Paris, Parc de Princes. Mais comme une sortie de haut, mon gars, ça l'a emmené dans l'eau, c'est pas la personne de haut, man. Ça fait ça. Ça m'a dit, là, man, God, là, l'eau, c'est pas. Long. Et ben, là, même direct l'automne. Moi, tu avec un camarade, moi, je dis, ça, pas mourir, ça, pas gagner l'été, on fait ça. Beaucoup battre. Ouais. Mais, en même temps, comment on peut supporter, hein? Ça arrive, il pourrait venir supporter, mais dans le football local. Il y a une nouvelle ville côté football. Exactement. Ouais. Alors, là, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, monsieur, nous avons rentré dans le main point de génération des Pachoros, avec M. Sorgio qui est là. Alors, juste une dernière information. Est-ce qu'il y a, en cas où le match n'est pas annulé, est-ce qu'il y a trois points là pour une pour Liverpool? Non, parce que dans la Ligue des Champions. Arrête, Adé. Non, arrête, c'est un rappel de points. Un peu de respect quand même, Adé. Arrête de respect. Bon, bon. Alors, donc voilà, British Pedia, encore une fois, on gagne dans le UK, même si c'est une bande de stade, mais c'était Zut qui tient sa notre affaire dimanche. Alors voilà un peu, nous venons à Pisa, Banza Fedassi, et bon, nous avons une news qui est celle qui peut dire qu'il faut à Manchester pour la grosse chose qui vous doit lire, la boutique de Dieu, le point, etc. Mais par une salle, nous a livré, parce que c'est la police qui prend une décision pour cancel le match, parce que line-up, tu finis sorti. C'est la police qui dit. Et là qui manque point. Si l'équipe de Liverpool qui monte le terrain et qui Manu pas venu, là il vient un problème. Ouais, j'ai un problème. Là, tu donnes le 3 points à Liverpool. Là, moi, pas quoi. Là, il peut y avoir un problème de qui peut. Si je suis à Manchester pour payer une amende très fort,
ça, l'amende très fort qu'il vous payer et qui est capable de perdre du point. Manchester qui a perdu du point. Oui, parce que grand matin, vous écoutez RMC, vous êtes déjà ça, hein, parce que comment vous dites là, comment un autre apport, il a assez bon sécurité. Comment vous dites là? Non, mais ça, c'est comme si on dit, oui, c'est une esquisse qui pina. Ça, c'est un truc que. Tu sais, c'est pas un steward là. Non, c'est vrai. Ma sécurité là, c'est du monde qui reste dans Manchester United. Alors, je dis ça pour envie. Ouais, le principauté, c'est aussi pour envie que Glazer continue dans Manchester. C'est-à-dire, on fait une affaire ensemble. Il finit organisé, ça finit moulougandé comme un deuxième se sont rendus. Finit moulougandé ensemble, il dirait que ça te rend top. Peut-être la porte à correct, même ça. Puis faire ma diète, un pousse-moi, un zitement en bas correct, même ça, mais tu as le plomb de rentrer. Ça, il avait. Alors, non, oui, excusez-moi. Même si tu as tiré probablement sur la tête, pas grave de battre Arsenal au final, nous allons chez Pierre-Dix, on a juste oublié. Non, il est vrai. Alors, voilà. Et mal, okay. Ouais, ne pas plus trop tarder, le satopic là, si monsieur ne passe pas là. Alors, nous vous propose vite fait, monsieur. Vite fait, le Champions League, ne pas vous nous faire tout d'étape rapidement. Alors, nous connaissons qu'il a Zodi, Manchester City, PSG home contre le PSG. Alors, match aller, Manchester City nous fait une grosse opération, qu'il a gagné DN, si on ne va pas tromper, DN contre le PSG au Parc des Princes. Et là, beaucoup de monde au coco d'une qualification pour la finale du PSG parce qu'il nous connaît qu'il est PSG aussi. Il a un grand joueur que si avant cela ils ont utilisé ce top form, vraiment, il n'est pas possible pour PSG de battre Manchester City. Ça va être très difficile aussi parce qu'on connaît squad qui City est là, qui Pep Guardiola est là, ça va être très difficile aussi. Mais est-ce qu'ils sont là, ceux qui sont professionnels, Mr. Sordio, Adel, Abiteur, Arthur qui est là aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pensé de ce match retour là? Et nous commençons à faire Sordio, après nous descendons même nous faire Adel. Non, nous donnons Arthur commence premier. Allez, Arthur commence premier. Allez, Arthur, vas-y mon gars. Allez, moi, pour moi, Paris a toujours ses chances. C'est vrai que ça va être difficile, mais quand on regarde le match aller, ça s'est joué sur un détail. Un coup franc qui est improbable. Ce coup franc-là, s'il le tape 3 à 4 fois, c'est pas sûr que le mur se casse pour que ça passe. Mm-hmm. C'est vrai, City a l'avantage. City, ça joue au foot. Mais Paris, ces deux derniers matchs, ils l'ont gagné en Ligue des Champions. Ils les ont gagnés à l'extérieur. À l'extérieur, je pense qu'ils sont un peu plus libérés. Ça va être compliqué, mais moi, je crois dans une qualification de Paris. Mm-hmm. Ah, voilà. Alors, ça, c'est un choix. Très, très bonne analyse. Hein, ouais. Bon, tiens, Paris, hein. Du spectacle. Mm-hmm. Non, mais franchement, hein, franchement, ça couffrant du Marais, c'est pas la première fois qu'il y a ça. Hein. Ouais. Même en Coupe d'Afrique aussi, tu fais ça. Marais, c'est vraiment, c'est top. Non, c'est top. Ouais. C'est ça, j'ai trouvé la bonne zone four. Je me rappelle l'époque où il s'en allait, là. Mon tour Ricardo Ova, il fait une commette, il faisait bonjour, quoi. Je me rappelle ça, bonne zone. Bonsoir, je connais ça, Ricardo Ova. Ouais, ça, c'est bon. En lien central, même ça. Clarel, il mettait des affaires, le Champions League, aujourd'hui, mon commette. Je me mettais pesé et n'a beaucoup d'enfants gâtés. Pas content souffrir. Et ils sont bien fragiles émotionnellement. C'est vrai. Moi qui me dis ça, Désiré, Priyatambil, réponds-moi. Hein. Mm-hmm. Désiré, que j'adore en passant, ouais. Modéliane, bonjour. Je vais sortir, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça, contre Barça et contre Bayern, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et même contre City, c'est tout au premier temps. Écoute, mon cas prend Mikael, il faut répondre Désiré. Il n'est pas étambi, c'est pas ça. Désiré, d'accord. Je dis où le Barça d'aujourd'hui n'est pas fait payer. Le Barça d'aujourd'hui, quand tu n'as pas un Xavi, un Iniesta, n'est pas fait payer. Il n'y a que c'est Messi. Et Messi, ces derniers temps, il faisait un football de contre-cœur. Je ne l'ai pas dans Barça. Je ne connais que qui était, mais pas dans Barça en tous les cas. Bayern, qui. PSG fin batté, c'est un Bayern qui tina, si tina Lewandowski seul, qui n'a absent dans un match là, mm-hmm. Tu pourras faire beaucoup de différence. Parce qu'ils n'ont pas une attaque. Hein. Il n'y avait que du Müller et tout. Et Bayern, qui 50-50, qui même en bout de fil, qui est capable sans résultat. Mm-hmm. Contre City, oui, en première mi-temps, ils avaient très bien joué. En première mi-temps, parce que le pressing était bien. Mais le City fin montré seul. La tactique du pressing, c'est faut connaître une équipe qui fit à 100%, à 200% fait du pressing. Et le pressing ne te fait pas
Tu peux pas faire des six mi-temps avec des mi-temps, tu te dis, moi, fatigué, moi, on va pas faire pressing encore. Et le pressing, c'est une tactique. Si un maillon dedans est cassé, tout le système cassé. C'est vrai. C'est tout le système du pressing cassé. Ça veut dire, le pressing qui est bizarre, pour moi, c'est qu'il s'active une ferie par moment, une ferie par vague. Une vague de pressing, un peu de rétracté, il fait une vague de pressing, de rétracté. C'est ça. Et une passion. Dans ce jeu. Oui, patient. City. Oui, patient. Mm-hmm. Il est content. Tu sais, les jeux de Guardiola, c'est qu'il boule beaucoup et tout. Mm-hmm. Moi, je trouvais que pour PSG, le seul métropole qui m'a adoré, c'est Mbappé. Mm-hmm. Parce que mon équipe préférée, c'est la France. Hein. Mm-hmm. Capable Arsenal, mais mon équipe préférée nationale, c'est la France. Ouais, mais ça, Dieu, c'est ça, Dieu. Où suis-je, on m'a dit, je suis où, non, même si, mais. Oui, parce que c'est normal, Mika, oui, parce que mon licencié en France, mon détenu en licence française de coaching. On va pas à la guerre pour l'école. Après l'équipe nationale, au coach, c'est Arsène Wenger. Exactement. Mbappé, les plus bizarres trouvent l'espace. C'est un garçon, pas le pied aussi, il faut, mais l'espace est beaucoup plus fort. C'est-à-dire un jeu de compte. Est-ce qu'il y aura un jeu de compte? Si tu veux faire son homework, il finit faire un homework pour Mbappé, comment pour Pauli. Et nous trouvons qu'Mbappé n'a pas fini de sa performance. Parce qu'il y avait, quelque chose qui était fixé sur lui, hein, tactiquement, pour penser. Pour moi, PSG a fait un très bon match aujourd'hui. Il a fait un bon match, mais pour empêcher City, mon goal est plus difficile. C'est vrai. Alors voilà. Ouais. Alors voilà, là, nous avons une pousseuse. Non, Coco Baboula Zodji, Coco Baboula Zodji, Adrien Baudelaire. Non, il y a Coco Baboula Zodji. Très bon Coco, ça gosse. Coco, en fait, Coco, c'était un personnage, monsieur Sordiou, si vous voulez demander live. Coco, c'était un personnage, c'était un mamzelle. Fan d'Arsenal. Un mamzelle qui est fan d'Arsenal, qui a pu intervenir quand on a invité. Et si nous m'avons invité, monsieur Sordiou, nous m'avons invité dans le monde. Bon, il faut saluer Baudelaire, c'est un autre très bon joueur. Le talent, il ne manque pas dans Maurice. Hein. Talent n'est pas manqué dans Maurice. Même le football, comme il y a en bas là-haut, talent est en plein dans Maurice. Ce qui est bizarre, c'est que tout le monde pense dans une vision. Ça nous a dit ce qu'il y a tout à l'heure. Exactement. Alors, Adèle, là, nous avons dit qu'il y a un PSG. Tu as dit PSG va venir créer la surprise. Il me dit PSG qui n'a pas fait bien, mais pour un match très très difficile. Et en plus, c'est ça, très difficile pour empêcher Manchester City gagner. Escoré. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses, toi, Adèle? Bon, vous pensez que c'est déjà PSG une bonne équipe, c'est sûr. Mm-hmm. Mais City, les deux fois, on pense, les plus forts, là. Parce qu'il y a une équipe qui défend en avançant déjà. Mm-hmm. Il y a une équipe qui défend en avançant. Donc, dès à la perte de balle, te trouver qui sur la ligne de 4 devant. Direct, ben appuyer le pressing et derrière ben suivre et même le défenseur central je serai extrêmement vigilant par rapport à Mbappé et comment s'appelle Neymar qui cavale en profondeur et même la ligne le plus c'est la ligne devant qui dès qu'il ben défenseur Paris en a ballon je vais appeler ben trouve sa passe là en intervalle ou je vais un long ballon dans l'espace pour capable de permettre Mbappé ou Neymar à la profondeur. C'est déjà ça. Adèle. Bravo. Là, il y a un petit maillot de coaching qui rentre dans toi, là, pour te expliquer, là. C'est très, très... Toi aussi, Arthur. C'est très bien de pouvoir faire des lectures de jeu comme ça. Parce que c'est une maturité. Et demain, un entraîneur de demain, c'est eux. C'est eux qui vont venir m'entraîner du demain. Et c'est ma lecture du jeu pareil qui vous dit toi, c'est en défendre en avançant. Déjà, c'est quelque chose de grand. Comment nous défendre en avançant? C'est qui nous a plus sur l'adversaire, nous avons plus développé ce football. À la perte du balle, tu peux noter 3 joueurs City qui finissent mal toi et tu as une solution pour sortir long. Bloqué, t'es obligé de sortir court. Et quand tu sortis une solution courte, pour un pressing direct. Il y a déjà 3 ou 4 joueurs qui sont sur place. Tu finis obligé. Voilà ce qui est la tactique. Voilà ce qui est Guardiola. Et mon pensée, si un bon joueur, Adèle, tu jouais dans PSG, tu n'as qu'un sens. Non. Mais c'est,
Non, je t'ai dit ça allez, parce que. Kofi Isaac Kawata, on a dit bonjour. Ouais, bonjour les amis. Grand coach. Grand coach. Et ça, c'est pour te dire que c'est bon, parce que si ma milieu terrain, si ma joueur de PSG pense pas te le penser là, tu es capable de faire la différence. Mais là, c'est vrai. Fait. Mais c'est en deuxième période, PSG ne défend en reculant et du coup, dès que tu défends en reculant avec City, tu as habitué ça. Et voilà. Ce que M. Sadio a dit, c'est vrai, les joueurs de Paris, ils n'aiment pas souffrir en fait. Donc, arrivé un moment qu'ils font le pressing et qu'ils ne gagnent rien, ils ne gagnent pas de ballon, ils ne gagnent pas d'occasion, ils se découragent. Mais le truc, les chances aujourd'hui, c'est que City va jouer haut. Et quand City joue haut, il y a l'espace dans leur dos. Donc, s'ils arrivent à placer un ou deux comptes, bah, ils auront la possibilité de faire quelque chose. C'est pour ça que pour moi, le match n'est pas encore joué. Paris a sa chance. Parce que, ouais, c'est vrai. Parce que Paris, ils sont plus à l'aise sur contre. Contre Barcelone, je crois qu'ils ont marqué 3 buts sur attaque rapide. Et contre City, ils ne pourront pas avoir le ballon. Donc, il va falloir bien défendre. C'est sûr, ils peuvent prendre un but. Mais ils pourront aussi marquer deux. Ce match-là peut arriver aux prolongations. Mais Paris peut vraiment jouer un bon rôle aujourd'hui. Verratti, alors, il peut jouer ça, Verratti. Oui, ouais. Verratti joue. Ouais. Mbappé incertain. Mbappé incertain. Jimmy Kandasamy, salut Bayo. Le Kandasamy qui est dans la place aussi. Bonjour Jimmy. Jimmy, c'est fait le vibrer ça. Jimmy, c'est fait le vibrer ça. Ça, c'était du vrai gaucher ça. Costaud. 25 mètres, boum. Comme ouais, Adèle ça, aussi, ouais. Adèle qui t'a frappé bien de loin. C'est Jimmy, c'était mon ancien capitaine de l'équipe nationale. Alors, salut Alex et Kim Alcozé avec la 16 aujourd'hui. C'est Alex, c'est la 16. C'est Alex qui n'a pas besoin d'avoir une ancienne. Alors, vous pensez à Mbappé Neymar pour Invincible aujourd'hui avec la défense City et Flandinho en 6. Pour moi, si vous trouvez ça pareil, monsieur, moi, je ne connais plus de pays à la liste de cette façon-là. Moi, je ne suis pas professionnel dans le foot. Mais tu avais posé une question. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Neymar? Neymar, pour moi, c'est. En fait, pour moi, Neymar, hein. Neymar, c'est m'a appelé Ney parce qu'on est assez proche. Neymar, c'est un joueur, mais vous pensez d'un des années qui a arrêté son carrière football et il a retourné. Exceptionnel, et d'un des années qui a arrêté son carrière football, il vient acteur ou chanteur ou. Ouais, mais il Fortnite. Franchement, Fortnite, tu gagnes pas un million. Non, pour moi, Neymar, c'est un grand joueur, exceptionnel. Pour moi, c'est top joueur. Top joueur, c'est juste qu'il a dans la Paris, il peut appeler la grosse tête aussi. Pendant qu'il arrive, il peut dans sa pression machinée, puis le boss aussi. Le boss, c'est Messi, un joueur assez respecté, mais quand même, assez respecté avec Lionel Messi qui est là, mais pour mettre bien, chez les rails. Mais là, comme on dit, sur l'esprit un peu divagué, il n'est pas trop focus comme on est besoin. Puis c'est moi, c'est Neymar, c'est un grand joueur, top joueur. Et voilà, rien à dire. Tu as qui pensé de Neymar? Ouais, pareil, pour moi, Neymar, c'est un top player. Mais c'est comme vous avez dit, émotionnellement, les joueurs de Paris, ils sont un peu en dedans. Ils manquent quelque chose. Donc, ça fait que quand le match commence à devenir dur, Neymar, il sort un peu du match. Mais chaque fois qu'il y a un bon Neymar, Paris fait un très bon match. Pour moi, Neymar, c'est un top player, honnêtement. Mais c'est son mental, peut-être, qui n'est pas exemplaire. Peut-être qu'il n'a pas le même mental qu'un Cristiano Ronaldo ou un Messi. Mais sinon, Neymar, c'est un bon joueur. Or, ce genre de match-là, pour gagner ce genre de match-là, il faut un joueur qui a une très bonne mentalité. Le joueur, il peut ne pas être bon. Le match aller, Di Maria a été le meilleur joueur de Paris parce que mentalement, Di Maria, il est bon. Il est habitué à ce genre de match-là. Donc, un mi-temps. Il a joué qu'un mi-temps. Neymar, il est exceptionnel. Neymar, il est exceptionnel, mais nous trouvons-lui de l'extérieur. Oui. Nous trouvons-lui en tant qu'un supporter, en tant qu'un du monde qui compte en lui, mais sincèrement, il est exceptionnel. Et mon pensée, il y a un garçon qui travaille beaucoup. Ça, c'est nous pas vous trouver. Mais comme à la plupart du monde, il y a Neymar comédien ou quoi. Mais
connais qui pour, déjà pour Neymar c'est compliqué. Pour être Neymar c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Pour, on lui demande pour tenir sa statue qu'il a gagné dès ce jeune âge, médiatisé, tout, c'est déjà compliqué. À ce là, tu Barcelone, tu es à côté Messi, tu es à côté Xavi, Iniesta, tu as le droit de faire, tu as le football qui va mettre un système en place pour un trio devant là, briller. Mm-hmm. Messi, Suarez et Neymar, ça trio-là ouais. Brillait et même pour permettre Neymar briller à un moment donné où Messi brillait, mm-hmm. tu trouves la différence. Mais après, les temps, il fait plusieurs déclarations, l'India, on vit à Paris pour gagner Ballon d'Or, pour sortir dans l'ombre Messi, etc. etc. Il a encore même plus de pression Loli. Il a même plus de pression, ouais. Voilà. Il a même plus de pression Loli. Après, moi, de René, la France, c'est un pays très, 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 très médiatisé. Comment tu fais un match, bon, bam, flèche. Mais comment tu fais un match, manière où, bana éclate-toi direct, pénacadeau. Et voilà. Mais pour Neymar, il est trop fort. Il est trop fort. Ouais, il est fort. Comment tu fais un match, c'est vrai. Je suis très content, Adèle, de te demander, parce que je ne pense pas comme ça. Au fait, tu me sens un peu chose dans ma tête, là. Au fait, je ne suis pas content du tout. Maintenant, on peut penser qu'il fait sa grosse soirée comme ça. C'est vrai, il est trop médiatisé. Mm-hmm. Il est une petite bosse à côté déjà d'une grande position et il vient d'un PSG parce que tout le football du PSG était basé sur lui. Il mettait un gros prix. Il a mis un costume qui parle en lui. Exactement. Voilà. Et cinq couleurs, dernier, il y a un petit Mbappé. Il a fait parler de Mbappé, cinq couleurs. Pour moi, Mbappé aussi. À un moment donné, il est là, Mbappé. Il travaille dur. Je ne suis pas bien placé pour poser parce que c'est Mbappé, champion du monde. Mais non, te point Neymar, Mbappé, émotionnellement, comment Antoine Djali, un joueur qui émotionnellement les plus affectés, c'est Neymar. Les Brésiliens, surtout si c'est un Brésilien qui quitte sur la case à jeune âge. Mm-hmm. Comme on pense ça, qui l'âge, qui quitte sa famille, il a dans le monde du football, il peut monter. Mbappé, non. Mbappé, il grandit dans Paris, il grandit, il monte. Et tu Monaco, si je ne me trompe pas. Oui, Monaco. Oui, tu Monaco. Et voilà, il gagne Neymar, comme Adeline bien dit, il ne pas penser comme ça, mais mon pensée, c'est qu'il est bizarre pour Neymar, je vais bien. Au lieu qu'il y ait un personal coach pour comme Ronaldo et là qui dit très bien physiquement, il y a un dimon qui travaille sur la psychologie, son mental. C'est un garçon qui doit travailler beaucoup sur le mental. Parce que c'est un garçon qui a beaucoup. C'est un artiste. C'est quelqu'un balle au pied. Oui, c'est ça qui a envie. Non, voilà, ce que Adeline disait, c'est exactement ce qu'il voulait penser. Mais c'est ce qui. Neymar, c'est un top world class player. Mais il a peine sa mentalité comme Ronaldo, comme Messi et Nala. Alors, il quitte le Barça, il est dans le PSG, il met beaucoup plus de pression là, comme Jusine dit. Il met un partout qui l'ose au lit. Alors, il peine sa capacité pour gérer tout ça, man, ça fait là sur la tête. Pour qu'il n'y ait pas trop de position. Il y a un ballon, il est normal, ça. Il a envie, parce qu'il joue comme Neymar. Et Kazen, il fait une jolie remorque. Kazen, il fait un joli remorque. Il y a plus technique actuellement dans le monde. Mais oui, parce qu'il jouait pour foot à 11. Mais moi, si tu as joué foot sale, je suis plus à l'aise. Individuellement avec ballon, c'est un joueur qui fait beaucoup. Tu fais beaucoup de gestes techniques, beaucoup de choses. Maintenant, il y a un coach qui est sorti sud-américain, qui pour comprendre, qui parle, capable de lire, qui comprend les situations de Neymar, qui cave, aujourd'hui Neymar, sous ce nouveau entraîneur, et qui monte en puissance. C'est sûr. Ouais. Et après, nous, pour vous, j'appelle au Chelsea. Chelsea, une dédicace à Madame Doris qui est venue. Madame Doris, j'ai envie d'être l'émission, mais le problème, c'est que Bobota fait juste doucement. Madame Doris,
Regarde, il est au téléphone, il est au téléphone. Il a envie d'écouter causer, monsieur Sordu. Madame Doris, c'est un grand fan de Chelsea. Hein. C'est un grand fan de Chelsea. Ah, que ah, pub, non oui. Madame Doris, que pub. De que pub, voilà. Que pub, ah, oui. Doris Miette. Ouais, avec exactement. Les jeunes, nous croyons. Oui, les Doris Miette, oui, je connais, je la connais bien. Oui. C'est un des bandes, si je ne me pas trompé. Ils sont ensemble au moment quand tu montes une équipe fille. Il est avec son mari qui. Il faut déjà nous la dame, elle travaille dur. Ouais, il fait beaucoup pour le football et surtout pour un jeune à Atli. Et surtout ce bonhomme. Ce bonhomme qui il donne beaucoup pour le football local. C'est-à-dire pour, au niveau capipien. Et oui, c'est un quelqu'un qui est dans le football de ce sens. Ça, c'est sûr. Calcul. Madame la cause au football. Ouais. Et gros merci, et Madame Dorus, c'est un du monde qui suis venu il y a assez longtemps et toujours son message reste propre, toujours. Ouais, de nous mettre courage. C'est un nouveau coach, mais en déo terrain. C'est normal, bizarrement, il travaille dans l'ombre. Exactement. Ouais. Non, il y en a beaucoup. Elle était comme ça tout le temps. Hein. Oui, elle travaille beaucoup en l'ombre. Avec moi, beaucoup de joueurs modernes, de joueurs qui travaillent dans l'ombre, en qualité. Ouais. Voilà. Alors, voilà, il y en a beaucoup. Alors, si, voilà si. Un peu, les gars. Et Chelsea si. Chelsea, Real, Chelsea, c'est ça, non? Tu vas tromper? Exactement. Real, là, qui est-ce qui avant, non? Real, qui s'est battu avant, pour venir au demi-finale? Mal champion, mais maintenant c'est champion. Il n'y a plus de titre dans l'Angleterre. Il n'y a plus beaucoup de Champions League. Ouais, plus de titre dans l'Angleterre. En Europe. Oui, l'équipe, c'est un petit titre dans l'Angleterre. Plus de titre dans l'Angleterre, Adèle. Ça va être un petit titre. Dans les Manager, l'équipe champion Ludo. Arrête. Lui, c'est en 2011 et encore pour le moment. Alors voilà, Madame Doris qui est dans la place, Madame Doris qui est formidable. Alors, Eichler qui est dans la place, qui est Chelsea, doit normalement se qualifier. Par contre, Zidane et Real, il a plus d'expérience européenne que Chelsea et Tuchel. Moi, penser, ça capable de jouer dans la balance en faveur Real. Alors, c'est exactement moi aussi, mon fond de pensée aujourd'hui. Par exemple, ça consomme un peu de dire. Parce que pour moi, bon, Zimoun, libre, Zimoun, très excité, très content aussi par la façon que Chelsea besoin en ce moment. Top, top form, mais quand même, ça, les pertes contre le Real, l'expérience, 13 fois champion de la Champions League, habitué avec une grande compétition là. Et pour moi, sorry, hein, sorry Doris, sorry Riaz, pour moi, Real pour en finale. Non, Real, Champions League. Real est bon. Hein. Non, pour moi, Real en finale. Real en finale. Ouais, moi, alors, allez, tout. L'avantage est vraiment pour le Real par rapport à l'expérience. L'expérience, ça compte beaucoup dans ce genre de match-là. Chelsea, ça joue bien, mais le nombre d'occasions qu'il manque, ça craint. Donc, ouais, je suis Chelsea, mais Real a beaucoup plus d'avantages parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience. Ils ont des joueurs qui sont habitués à cette compétition-là. Donc, l'avantage est pour Real. Mais j'espère que Chelsea va nous faire mentir. Alors voilà. Alors le génie là, le génie qui s'est sorti. Alors ouais, Nukozo. Allez là le Real non là quand tu t'en Real tu t'en finale. Déjà non là tu es en finale. Donc vraiment non là tu es en finale. Tu seras d'accord ou pas quand tu t'en Real tu peux dire tu es en finale. Finale. Mais fais attention, Chelsea c'est une équipe touchée d'une moi vous dire il révolutionnait mais l'in il a une formule qui s'appelle Moss bien actuellement avec Chelsea, qui pour qualité sur le jeu, pour tactique qu'il met en place, qui peut faire tout peut passer bien pour Chelsea. Mais j'espère que. C'est pas le résultat avant, hein? Pas du tout. NN. Et super vu de Benzema. Real, c'est super vu de Benzema aussi. Ouais. Mais après, tu connais, Real Madrid, c'est quelque chose. Real Madrid, déjà, le mental peut être en faveur Real parce qu'ils sont habitués, ils connaissent, ils n'ont pas douté, même dans un moment plié, ils n'ont pas trouvé cette équipe qui doutait, malgré qu'il soit capitaine Patila, Sergio Ramos, mais il a pensé, peut-être, il a beaucoup commencé.
Mais avec un grand Benzema comme ma match aller, je pensais. Un joli goal. Pas juste un joli goal, mais dans ce football même, dans ce déplacement, dans la qualité qu'il a amené, il fait ce partner briller. C'est déjà ça en fait. C'est déjà pas juste ce goal qui permet Real gagner quelque chose, mais pas ce déplacement, sur la rage de vaincre, sur leadership, c'est déjà ça. Madame dire Hazard de retour, vous dire Hazard pour de retour pour ça machin. Peut-être bien, mais il tapait trop. Pourquoi que Même Ferland Mendy, mon pensée retourner. Réal, pas comment le dire, comment le dire, monsieur Sordi, j'ai arrêté là, pareil, depuis que le mentalité, c'est pas un peu paresseux, etc. C'est un peu le cas de Nazan, hein. Et de Nazan, c'est un top joueur. Mais je sais pas comment ça m'a dit. Samuel Etienne disait ça une fois, il disait Nazan, mais t'es pas content, traîne-toi, t'es pas content, fais ses faux. Il fait juste pour sa qualité de jeu, comme ça, Nazan. Mais beaucoup disent que Nazan, il est pas content d'entraînement, il est pas content de traîner, il est pas content de donner ça, c'est faux qu'il disait de là. Mais quand même ça, c'est un super joueur. C'est un joueur qui est placé dans le top 5, hein. Quand il est dans ce top 5, il est dans le top 5, c'est top joueur. Mais Comment le gosse Hazard, hein, il fait un big up à Sébastien. Il connaît qui fait Sébastien, Zifelon de la Belgique. Non, mais après par rapport à Hazard, un affaire qui nous prend en considération, peut-être Maurice nous va trouver, mais où dans plusieurs pays, il y a différentes façons de travailler. Déjà, dans différents pays, il y a chacun sa manière de travailler. Peut-être Chelsea, le temps que je vais Chelsea, ce sage travail, pas élevé pareil que moi au Real. Tu comprends? Ce chance travail, genre, quantité de travail qu'il va en faire. Non, il y a même problème qui n'est pas Adèle. Parce qu'il y a Chelsea, il y a déjà un niveau. Ok? Ouais. Une grande équipe comme le Real, Astelli, pour lui, qui faire? Parce qu'il pour son football, pour pas être ici. Ouais, c'est là quand il rate sur l'entrée, il est blessé. Ouais. Dans ce blessé, il est accumulé. Quand il peut retourner, il est blessé. C'est ça quand le problème vient pour lui. Pour moi, il prend poids et il est clair qu'il ne faut pas croire qu'il commence le match. Pour moi, moi, tu peux faire le constat, moi. Tu peux demander un autre point. Je veux dire, quand nous guettons la Liga, quand nous guettons Barcelone et Real, et puis les autres, moi, je dirais les autres. Pourtant, tu as un bel gap. Tu as Real, Barcelone, après tu as les autres. Zoti, gap-là, il diminue parce qu'il y a Atlético Madrid, il vient, et dans les autres équipes de la Liga qui peut monter. C'est-à-dire, ça gap-là, il diminue entre des grands équipes-là. C'est parce que ça des grands équipes-là, pour moi, Zoti, ils n'ont pas pu performer qu'est-ce qu'ils étaient 2 ans, 3 ans de cela. Parce qu'ils ont une métropole, ils commencent à prendre d'âge. Ils commencent à jouer beaucoup plus. Je commence à jouer beaucoup plus sur le côté tactique, mais pas physiquement prêt. Pour moi, aujourd'hui, quand nous guettons le match Real contre Chelsea, et là, moi, j'ai dit, Tuchel, l'entraîneur. Chelsea, sans manque du respect à Lampard, qui vraiment en amène beaucoup, mais il utilise un prime. Il attrape une grande équipe, un seul coup, au lieu qu'il passe pas une petite équipe, il monte. Il ne travaille assez. Vous pensez que Tuchel, si vous pouvez bien prononcer le nom là. Lui, il y a un entraîneur comme ça qui vient prendre Chelsea. Parce que Chelsea est un pléiade de très bons joueurs dans cette équipe là. De tout niveau, hein. Tout niveau, quand on parle de défense, milieu de terrain, attaque, il y en a beaucoup. Ce qui s'est entraîné, il amène une discipline. Il amène une petite chose, une façon de concevoir le football, qui que ça va un jeune là intégré dans son football. Et il amène une affaire facile. Il amène la discipline, la rigueur, et il amène un joueur qui ne participe pas à fond, il l'amène seul et qui ne commence pas à fond. Ça, l'équipe de Chelsea là, vraiment, comment Arjen Djali, c'est une équipe jeune qui manque d'expérience. Ça me d'accord. Qui lui manque d'expérience quand nous comparons avec le Real avec tous ces joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Football, surtout en finale. Comme Adèle, j'ai dit, c'est une équipe, quand tu dis Real, c'est finale Champions League. Et aujourd'hui, quand tu guettes un petit peu
c'est que le Real, le mauvais Real, Modjaha, entre guillemets, c'est le mauvais Real qu'on se voit. Hein. C'est pas le Real ouais, qui. C'est pas exactement. Le grand Real qui. Il va faire P1, mais doucement, Zidane peut réussir à mener jusqu'à la semi-finale. Au final. Après, moi, je pense, si je suis d'accord avec moi, le Real, c'est un pays, le problème qui Manchester United gagne au fil. Au fait, ce qui est arrivé, quand l'équipe là, il trouve ce bon mauvais période, ben, dirigeant, il investit le bon certain, le beaucoup joué, besoin de dire, il investit le beaucoup joué qui pas de mort, c'est que ça s'appelle pas de mort aussi, au fait. Donc, on toujours peut ça se là, c'est pour ça qu'il, quand je me prends Hazard aussi, je dis, ben, Hazard, vous venez, vous remplacez Ronaldo. Là, Hazard, pas peut trop mort, c'est, j'ai vu, Mbappé, j'ai vu, j'imagine, d'autres options. Intelligemment. Exactement. Je dis qu'à nous guette le Barça, si je m'en pas trompé, je corrige moi, si je guette le Barça et le Real, guette de défense. Défense de Barça, on a toujours un piqué qui est là, un joueur qui a des. Je fais beaucoup de matchs, tout Varane qui l'a, mais Varane, il est up and down, mais quand nous guettons Ramos qui l'a, de combien de temps Ramos peut jouer hier pour Real? Il arrive un bon moment là, hein? C'est qui, ça va jouer là, je ne peux pas connaître quand vous arrêtez. Et quand vous avez. C'est un petit peu, c'était ça le gros problème de Mourinho quand il était à Real. Mourinho, tu as envie sans certains joueurs du Real. Et quand il ressent Saman Zuela, c'est là que tu perds le vestiaire pour Saman grand joueur de Renault. Là, je ne sortis contre lui et je ne fais quitte le Real. Et depuis qu'il est allé, Real n'a pas grand chose. Hein, depuis qu'il allé. Zidane est venu, oui. Oui, Zidane est venu. Ouais, Adèle, même Benzema. Je rigole, mon frère. Adèle, Benzema peut briller, c'est parce qu'il n'y a pas Ronaldo. Ouais, c'est sûr. Si tu as Ronaldo, tu es encore dans l'ombre de Ronaldo. Quand tu Ronaldo, à lui seul, il t'y appartenait, le Real t'y appartenait à lui. À lui seul, il te faisait la vie. Ouais, et Benzema, tu peux souvent jouer pour lui. C'est ça, en fait, c'est une totalité. Ouais, Zodi, Benzema, Bana peut jouer pour Benzema, Zodi. Ouais. Benzema, c'est un joueur complet qui dans l'entrejeu, qui en attaquant en pivot ou dans l'entrejeu, c'est un joueur qui fait la différence, qu'il y a à droite, qu'il y a à gauche. C'est parce que c'est un joueur complet. Et malheureusement, l'équipe nationale française manque un élément comme ça. Mais ça, c'est une autre question, un autre débat, ça. Pourquoi il n'est pas dedans? Ouais. Mais ce qui m'a dit, qui pour moi, le Real va pas passer où. Il va passer. Non. Okay. Ça va être dur pour les deux, en fait. Oui. Ça va être jeune là. Si c'est l'entraîneur, comme me pensez, l'entraîneur de Chelsea, fait son work, il connaît qui pour dire. Si c'est un joueur là, si je prie pour l'enjeu, là, Chelsea a perdu le jeu. Parce qu'il prend l'expérience, c'est un joueur là, pas grave. L'enjeu pour venir trop fort pour eux et qu'ils n'ont pas pour performer comme besoin. Parce qu'ils ont besoin de vis-à-vis. Mais s'ils n'ont pas manqué du respect royal, je veux autre football. Je veux faire la différence. Parce qu'il y a des éléments très bons dans Chelsea. Il y a des très bons éléments qui, dans n'importe qui secteur, je veux faire la différence. Exactement. Moi, nous voulons Ronaldo. Nous voulons faire une émission spéciale. Et 100% Ronaldo vs Messi. Pas invité? Non. Pas d'avance. Non, c'est pas moi là. Avec Mika Fidonus, le gars, vous avez mis ça Non, franchement, nous, il n'y a aucun problème. Nous, si Janou amène Ronaldo, demain, c'est Jimmy Kandasamy, Kinjanou. Merci, les amis. C'est une top émission. Là, je donne naissance à tous les footballeurs mauriciens, footballeuses et les coachs. Merci, Mika Football News. Merci encore. Alors, merci à Jimmy Kandasamy qui est en contact avec nous aussi. Alors, Jimmy, le projet, c'est toi, mon frère. Du bien, attends-toi, Ricardo Ova, c'est qu'il a sorti. Est-ce que Timo Werner fait un poil dans l'attaque Chelsea? Oui, c'est un joueur qui est très rapide. C'est un joueur qui faisait dire qu'il n'y a pas trop le chemin de filet facilement. Parce qu'il y a une certaine contrainte mentale, mais si ça joue là, performe Zodi et qu'il y fait bien. T'as pas, hein, ouais. Ce jour, Timo Werner. Top joueur, ça, c'est un top joueur. Vitesse. C'est bon, ouais. Alors, Colin Bell qui est à la place, finale 100% en ligue, qui te pensait à Adèle Long. Capitaine Colin Bell. Capable. Mais après, ouais. Pour revenir à Timo Werner, c'est il paraît comment nous pouvons être un attaquant juste pour goal. Si nous avons un attaquant juste pour goal, là nous pouvons dire, aïe, il n'est pas un bon attaquant.
Mais si nous ouais. dans l'ensemble, c'est qu'il y fait pour ban les autres. Il a porté dans l'enjeu. Ouais. Exactement. Peut-être qu'il ouais. pas mettre goal. Oui. Nous d'accord, nous avons un attaquant pour mettre goal. Ouais. Mais si tu es dans l'animation offensive. Te fais moi penser à un attaquant, Adèle. Souris ou coupe-toi. Ouais. Pour faire plaisir à mon ami. Et un attaquant comme ça, c'est une grande équipe appelée Liverpool. Et un attaquant comme ça. Firmino. Ouais, voilà. Firmino. Justement. Oui, si, si je focalise ouais. un attaquant qui met goal. Respect, man, goal. De l'œil. Oh. Oh. Non, mais c'est pas Firmino. Non, même Firmino, il est trop faux. Trop faux. Même Werner, ban l'appel de balle qu'il fait, ban l'occasion qu'il y fait à ce moment coéquipier. La diagonale. C'est déjà au fait, ça. Au fait, quand tu trouves, au fait, quand tu Warner, Zokiban professionnel, tu trouves quand tu es boule, même si c'est une tension, c'est trouvé de pas mettre les dangers là. Qu'il fallait pas mettre courir, oui. Mais c'est moi, tu connais, il n'a ça pour ça. Adversaire pire, tu pire quand il est à boule. C'est un jeu américain, un jeu dans Chelsea, là, comment ça s'appelle? Polisic. Ouais. Top ça, hein? Top ça, Polisic. Polisic, top player. Top player. Mais je te rappelle à un moment donné, Real, ben, je fais critique Benzema à cause Benzema va chez Midgoal. Les Ronaldo tient pour l'heure. C'est un moment, je te fais critique Benzema à cause Benzema va chez Midgoal. Mais à l'époque, Ronaldo, tu peux mettre pas énorme, tu peux mettre beaucoup de goal. Mais c'est ton travail qui Benzema, je peux faire. Ben les autres faire, je peux mettre goal. Et pas pour autant qui nous critique talent, c'est qui monsieur Ronaldo, non. Mais il y a une réalité de reprendre les coups, en fait. T'es d'accord un peu là, Othia? Ça va dans l'ombre. T'es d'accord un peu là, Othia? Othia, ça, c'est coupé là. Allez, il remet là, Othia. Capitaine Nina? Oui, c'est bon, Othia. Oui, je suis d'accord. Werner, il fait beaucoup d'appels. Il fait jouer ses partenaires, en fait. Ben, il n'a pas la chance de marquer en ce moment. Disons qu'il n'est pas en réussite. Mais il est très, très important pour l'équipe. Et c'est pour ça que par moment, le poste d'attaquant, c'est un métier ingrat. Un attaquant peut tout faire, ouais, c'est vrai. Créer des occasions, se battre. Mais quand il ne marque pas, on dit qu'il n'est pas bon. Mais c'est pour ça que moi, c'est pas bien. Pour moi, mon meilleur attaquant, c'est Benzema. Le foot ne se résume pas qu'à marquer des buts pour lui. Il crée des situations pour ses amis. Il fait jouer l'équipe, il marque des buts. C'est un peu ça. Werner, c'est un bon joueur, il n'est pas en réussite en ce moment. Bientôt en équipe de France. On espère tous. Parce qu'il a groupe l'équipe de France, il sortit 23 pour 26. Mais bientôt. Ouais. Et non, pas un groupe d'équipe de France, ça c'est officiel. La sélection ASTR, The Guy droit et la 26 heures au lieu de 23. Voilà. Et nous prochaines nos générations 2.0. Nous prochaines les générations 2.0. Et en même temps, nous passons à la question là après. Enfin, qu'est-ce qu'il me pose la question? Alors, est-ce qu'il s'audio encore l'entraîneur? Moi pas trop suivre les un des meilleurs entraîneurs du club même dans le passé. Non. British. Les familles, même ça, pour s'audio là, les familles, mais le président des Carrefour Bonnes aussi. Là. Non, je n'entraîne plus. Au contraire. Mon plus occupé, mon foot five, mon business de foot five. Quand moi c'est relancement, je fais le foot five. Et puis mon enjume, mais je me prends le temps. Mon donne mon temps, c'est mon semaine jeune monter. Mon semaine jeune coach qui peine à beaucoup de jeunes qui là. Malheureusement, peine assez de formation de bancade, hein. Et je pense qu'il y a 16 ans, je commence à faire un peu formation d'un entraîneur chez nous. Aujourd'hui, je lis une formation dans le journal, je ne fais pas la Liga. Je ne sais pas trop comprendre, hein, je ne fais ça par Zoom ou whatever. Pour mon entraîneur, je suis une classe masterclass, puis c'est un autre niveau. Je trouve ça, mais même Andy, Sophie qui me suivent ça d'ici. Tu as les autres, tu as Colin Bell qui fait le masterclass, il y a Daniel Ramsamy, mon ancien joueur qui me connaît. C'est mon suivre. Mais disons que moi non, je suis pas entraîneur, mais je suis mon passionné du football. Tout ce qui touche football, moi là, qui le football mauricien, qui le football anglais, et surtout mauricien, hein, si mon décideur du football mauricien, si je pas dans le bon chemin,
et moi là moi pour l'avoir parce que ouais. moi tout ce qui est football ils donnent moi j'ai dit ce qui m'a aidé moi bien ramener ça au football parce que moi peut derrière mon jeune qui montait parce que si moi pas ramener ça c'est comme si moi pas abouti ma mission en tant qu'un jeune footballeur et moi moi j'ai dit franc et moi un du monde qui moi la bouche paraît fermée moi jamais moi pour accepter dire oui et clair qu'ils ont dit dans Maurice tout le monde peut envie faire football arriver mais tout le monde peut tirer dans toute direction malheureusement okay. Et personne pas gagner personne pour dire autre monsieur vina si doit table dans une seule direction exactement quand et surtout dans le ligo si tant trop fort il bloque mm-hmm. l'esprit et malheureusement c'est le ligo qui devant et non plus de mes autres l'esprit et pour moi mon rend hommage à cette équipe de ce qui est équipe Arthur, c'est le Rasta, que mon ami Jaïs, et surtout la famille vraiment, comment ça s'appelle, le jeune. Le président, c'est qui Arthur, j'ai oublié le nom là. Panin, ouais. Panin, le papa et le fils qui se dévouaient oui. pour toute l'équipe. Eric, non oui. Hein oui, c'est ça, Jean-Éric. Il travaille. Jean-Éric travaille avec moi à l'hôtel, hein. Il me travaille Four Seasons. Jean-Éric, il est là. Mais quand nous venons dans la cantine, nous vous causons et n'est en football local. Super. Malheureusement, le football local fermé. Quand nous guettons le football local fermé, il fait moi rire. Je dis, je monde dans bis, la season à côté de l'autre, puis il y a du social distancing. On pas trouve qui différence y faire. Quand si peut les passager assisé dans bus comme ça du monde perd dans supermarché perd dans bazar peut n'avoir aucune distance à porte mais masse peut n'avoir aucune affaire qui fait footballeur pas capable jouer on va rien comprendre ça c'est exactement ça alors pour ben du monde qui suit Mika Football News là qui peut check nous alors comment ça sort du c'est une première sur Mika Football News alors, c'est un gros projet parce que je finis dans la liste ben du monde qui pour être qui pour participer dans le ben émission ben show ben émission que nous faire alors Adèle Long il est connu aussi il passe dans l'émission aussi comment l'émission déroulée alors pour ben du monde qui pas connu que ça veut dire génération 2.0 alors c'est là que ben coach et ben jeune talent aussi ben joueur football mais ben ancien aussi hein je porte cette opinion parce qu'au fait, Mika Football News, là, il crée sa génération, là, au fait, pour faire relais d'e-sport local, que ce soit football, que ce soit n'importe quel sport. Hein. Depuis qu'on fait un système, qu'on a envie de refaire, de revivre le football. En priorité, le football, parce que le football, c'est battre le football, football, pour nous revivre le football. Alors, comment, ce qui est pas connu, nous avons eu plaisir à, du ministère, etc. Mais ça, nous disons que voilà, nous pouvons tout l'esprit ensemble, nous pas venir pour critiquer, nous pouvons venir ensemble, pour dire, au connaît qu'il y avait, nous assisons ensemble, nous mettons M. Sorjou à assiser là, nous mettons Colin Bell, nous mettons Jimmy Ganasami, etc. Nous mettons eux là, et nous causons un coup, comment pour faire par meilleurs affaires là ensemble. Pas de jeunes ensemble, pour pouvoir améliorer ça ensemble pour nous aller vivre là-haut. C'est ça que nous pouvons faire ensemble. Fait. Mais toute idée ensemble pour nous capables, les footballs locaux là, les sports locaux là-haut. En fait, c'est ça le travail de Mika Football News. Alors, il y a plusieurs bandes qui me passent au Mika Football News, mon ancien, mon jeune aussi, comme on connaît bien, il fait pécoiser des réparations à Tambi, Adèle Lang. Ah, il y a plusieurs, il y a même passé Jaïs, Mr. Jaïs Sim, passé là, pour venir causer. Même Manjun, tu fais aussi passer, hein, Manjun. Ouais, il y a 100% fossé. Ah oui, 100% féminin, ouais. Bien intéressant, écoutez. Bien intéressant. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut mettre la main, qui, comme on dit, travaille dans l'ombre, comme il y a Madame Peggy qui fait d'avoir un petit message, qui décide de faire une connexion avec des filles aussi. Alors, c'est un travail, et en plus, ce plateau, comment vous trouvez là, tout le monde commente aussi, c'est tout le temps dans le respect, monsieur. Pas bien venir là pour venir raconter, pour venir faire une grossièreté, pour venir critiquer ou quoi que ce soit. Non, nous venons causer là, pour mettre l'esprit ensemble. Là, moi, beaucoup de Zodi, mon travail là, c'est écoute Mr. Sorjou, écoute Arthur, écoute Adèle. Et voilà, il y a des gens qui peuvent travailler encore, toujours, on peut prendre sa note là, pour nous prendre toute sa l'idée là, pour nous aller causer ça avec les personnes concernées, pour nous capables de faire un avancement dans le football local. Nous travaillons, quand on nous dit chaque fois, nous ne pouvons pas bien essayer, nous ne pouvons pas bien essayer. Alors, c'est qui ready pour rester, de rester, c'est qui comment sortir, c'est qui non, pour être sur l'ego, les bouts de lion, on met dans ce monde, c'est pas que nous avons fait, on là-bas. Mais je crois que ça, c'était l'opinion pour toi. Mais nous c'est l'équipe qui nous a créé. C'est une équipe positive qui progresse ensemble parce que nous avons pour l'avenir, nous sport. Et j'espère que ça passe clair. Et là, nous commençons, monsieur.
avec Ben Timoun qui l'a. Ouais, cause c'est sorti. Cause. Moi, je suis tout. Tu es content? Tiens, raconte-moi un petit peu. Tiens, tu peux nous raconter, étant donné que tu es un étranger, que tu es un pays étranger, que tu es en train de jouer le foot mauricien, à le niveau qu'on est, et dans le contexte qu'on est, dans l'environnement que toi, tu, en tant qu'athlète, comment toi, tu t'arrives à te retrouver dans ce football mauricien? Et qu'est-ce que toi, étant donné que tu sors d'un pays de football, hein, Côte d'Ivoire, c'est un pays élevé, de football. Hein. Et moi, vous dites, toi, le football ivoirien donne en direct dans Canal Plus. Hein. Il y a une chaîne qui a le football ivoirien donné. Hein. Même qu'il y ait un petit stade, il n'y a pas un grand stade. Pas parce qu'il est à Old Trafford, il n'y a pas dans un grand stade européen, mais il donne le football ivoirien aussi. Très bonne question pour Mister Sordio. Hein. Très bonne question. Parce oui, parce qu'il m'a envie de comprendre. Envie de comprendre ce mental, dites-moi l'idée. Parce que Arthur, tu sais, tu viens ici et tu sais qu'au Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opportunités aussi parce que tu as vu tous les grands joueurs qui sont passés en Premier League, en Ligue 1, etc. Mais pour toi, tu viens à l'île Maurice, tu sais qu'il y a toujours tu vois, la manière de faire des choses qui est un peu différente. Alors, pour toi, c'est comment là? Disons que moi, ça fait 3 ans que je suis à Maurice. Ma première équipe, c'était la Q. Mais depuis 3 ans, honnêtement, le niveau, il évolue. Le niveau, il évolue. Mais seulement, chacun doit mettre un peu plus du sien. Chacun doit faire un peu plus d'efforts. Moi, niveau... par exemple, chez moi, on s'entraîne tous les jours. Tous les jours de la semaine, il y a des entraînements. Les joueurs, ils aiment le foot. Même quand il n'y a pas des entraînements en équipe, bah, ils s'entraînent en individuel. Et peut-être que c'est ce côté-là que beaucoup ne font pas. Mais honnêtement... Il y a du talent. Il y a beaucoup de joueurs talentueux ici. Même quand on joue des matchs, on voit des joueurs qui sont vraiment, vraiment talentueux. Mais peut-être que ce travail d'après, je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que là, si les grandes personnes ne font pas bouger les choses, les joueurs ne doivent pas s'entraîner, ils ne doivent pas faire ce qu'il y a. Non. Nous-mêmes, en tant que footballeurs, on doit s'entraîner 2 fois plus. On doit montrer qu'on a envie de faire le métier. Comme ça, si... Pas, ça c'est le gouvernement décide d'investir, bah, on sera prêt. Mais aujourd'hui, si on s'entraîne pas comme il faut et que le gouvernement ou la fédération décide donc oui, c'est bien de dire que la fédération ou le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Mais nous-mêmes, en tant que footballeurs, faut qu'on fasse beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en 3 ans, le foot a évolué pour moi. J'ai joué ma première année à la CUI. L'année dernière, malgré que la Ligue a été arrêtée, mais il y avait des très bons matchs. Il y avait des matchs où les stades étaient pleins. On a joué contre Bolton. Les stades étaient pleins. Cette année... Pour lui, c'est terrible. Oui. Pour lui, c'est... Stade Saint-François. Saint-François, c'est bien. C'est bien. Ouais. J'adore. Pour moi... Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais pour moi, le niveau est bien. Il faut que les joueurs même commencent à prendre conscience aussi. Quand ça travaille, je me dis que si on la fédération ou le gouvernement, ça, c'est pas mon rôle. Mais des coéquipiers, des adversaires, je peux en parler. Il y a du talent, mais il faut que les joueurs travaillent 2 fois plus. En fait. Ouais. Pour moi, étant qui ne n'a pas un jeu étranger, c'est un jeu étranger qui vit Maurice là. Au fait, dans d'autres pays, je t'entraîne 3 fois par jour. Grand matin, midi, et tantôt. Si je me trompe pas, tiens. Parce que pour eux. Oui, pour eux, football, c'est un chemin pour être capable de trouver votre carrière. C'est ça dans votre esprit. Quand vous grandissez, mon côté est beaucoup d'étrangers dans mon carrière d'entraîneur. Je trouve ben bon, ben moins bon et ben bien pas bon aussi. Hein, on fait respect ben Nigeria qui me menace dans la vie. C'était une catastrophe. Mais juste pour dire ça. Ça sent du. Ça a dû être trop bon. Oui, moi, je dis la franc-franc, mon papa, elle capte, je ne pas les yeux. Ok. Oui, mais disons que ça m'a joué là, je n'apporte une culture, je n'ai envie de montrer le joueur mauricien, qui l'entraînement, vous avez fait
Si tu viens de Montréal entraîner midi, et tout, toi. Quand on traîne grand matin, quand on traîne tantôt, mais pas d'ailleurs on traîne midi. Ça m'a l'air de t'entraîner trois fois. Et ils m'ont fait l'expérience, ils m'ont trouvé ça. Mm-hmm. C'est que, moi, le contexte est différent, franchement. Parce que eux, c'est un manager étranger professionnel. Nous, Mauriciens, nous mangeons pas professionnels. Nous mangeons visés à travail. Mm-hmm. Moi, à l'époque, je connais l'équipe Savane, je me fais le guerrier. Qui est un joueur, très bon joueur, hein, très bon joueur, très bon attaquant. Gramatel est bonnet, il vient de Maïzako. Il vient de Maïzako, parce que ce travail qui Maïzako amène dans ce là-bas. Parce qu'il a un grand compagnie qui est typé sur Maïzako. Il y a le Maïzako, après tantôt, il vient d'entraîner. Comme on peut dire, le ben, joueur de Savane, hein, à l'époque, Savane était une très bonne équipe, plein de talents. Mm-hmm. Oui, Zodivi. Depuis aujourd'hui, dans le sud, nous avons plein de talents dans le sud. Malheureusement, il y a un stade dans le sud qui ne gouverne pas une pensée de faire. Pour eux, le sud veut dire Maïbou. Pour moi, Maïbou ne veut pas dire le sud. Pour moi, le sud, c'est Maigrinien, Souillac, Bédicap. Ça, là, qui veut faire un stade, parce qu'il y en a beaucoup de joueurs qui ont encore faim. Qui fait, moi, dire, il y a beaucoup de joueurs là-bas, il y a un joueur qui ont encore faim. Ils ont encore faim du football. Riambel, oui, justement. Bon bonjour là-bas. Hein. Bon bonjour. Les Flamands Roses. Bon, tu connais le Flamand Rose, ouais. Adèle ben, l'équipe Flamand Rose. Ouais. Bon, mais l'occasion, Zom, Dick, Zom, Dick, Coco, Mendy, Coco. Coco, lycée, je dis Coco. Nabab, Bako. Non, mais là-bas, c'est. Là-bas. Dans le sud. Et non. Oui, mais et malheureusement, Zodi, un ministre dispo, pas fin faire une provision par le ministre de Finances dans son budget. J'ai dit que ça te prépare pas budget, là, mais organiser une fête. Petit stade là-bas, petit stade là-bas. Pas besoin de belles stades. Petit stade, Omnisport, moi j'ai dit, pas stade que du football. Omnisport, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi là-bas. Ok? Ouais. Ça, c'est pour montrer toi. Mais quand nous revenons nos moutons, c'est ce qui me tient envie, c'est qui attire près de nous, c'est que franchement, il y a du talent à Maurice. Nous avons beaucoup de talent. Mm-hmm. Mais la société, comment ils sont faits, je dis ça m'a un joueur de talent. Celle qui saute qui morde, c'est du mental. Là, le mental, il n'y a pas. C'est le mental qui a. Le talent, il y a. L'artiste avec le ballon, la qualité, il y a. Mais le mental, il n'y a pas. Le mental, c'est même qui nous, mon coach, mon éducateur ou mon entraîneur de niveau, nous faisons de nous autres ça, les outils là, la façon de penser là. Par exemple, Adèle, quand il cause football, alors moi, quand il prend ça, on finit comprend que c'est une culture tactique, il finit de monter de niveau là, il comprend. Si nous tenons à Maurice, c'est mon joueur d'artiste là, si je tiens une vision pareille, si je pense pareil, super. Dans le football, nous sommes éducateurs. Quand nous entraînons nos enfants, quand nos enfants dribblent, quand ils essaient de rire, yeah, arrête de rire, tu peux trop rire, tu peux faire passe, tu peux comprendre. C'est vrai. Tu peux toute la créativité du joueur. Tu peux toute la créativité du joueur. Exactement. Tu n'as pas pu essayer de jouer dans ce point d'été. Tu n'as pas qu'à dire, mais arrête de rire, il y a la case rire, dit. Exactement. Oui, mais c'est sa façon là qui te bise. C'est la seule façon que l'éducateur est capable de donner, c'est mettre l'autre dans la tête. Il traîne quand tu es dans sa zone là, tu gagnes droit à rayer, mais quand tu es dans ta zone là, tu n'as pas gagné droit à rayer. Tu as sorti un ballon. En gros, Monsieur Sordio, ce qui est au Pérou, si mon petit n'a fait pas beaucoup de normalement, parce que c'est vrai que vous pouvez passer le message, peut-être qu'il m'a même comprendre d'une autre façon, et même pour les autres aussi, hein, mais pour Adèle et aussi, vous pensez que c'est un travail des bandes coach qui a un peu besoin, qu'il faut plus sévère, comment dire, plus mettre la pression, comment dire, parce qu'il faut, ces bandes là, c'était une mentalité un peu, comment dire, up and down, parce que je me rappelle, et dans ma vie, qui vient là. Il faut valoriser le joueur, pas sévère. Mm-hmm. Ouais. Te donne discipline, parce que pour te réussir dans n'importe quel sport, il faut y avoir du discipline. Ça, c'est primordial. Mais il faut valoriser le joueur et valoriser dans sa qualité qu'il y était. OK? Moi, je lis ça dans une critique du football hollandais.
OK? Il y a ça. Que un éducateur, je n'arrivais dans une conclusion. Aujourd'hui, quand je vais à l'école, je dis bravo, nous t'applamer. Quand je vais faire des dépasses, je dis oui, ça c'est un très bon joueur. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, dans l'entraînement, tu valorises un joueur qui pensait tactiquement, un jeune joueur. Mm-hmm. Quand il positionne sur l'école, dans une langue, que sans qu'il fasse des efforts, il intercepte un ballon, pas ce mouvement sur l'école, et sans qu'il connaît, quand il trouve sur l'adversaire et son partenaire, il peut faire la différence. C'est ça le sens tactique. Et ça, il faut qu'on valorise ça de manière éducateur. Dans l'éducateur d'aujourd'hui, bien valorise Samanduela. Tu applaudis Samanduela. Parce que quand tu applaudis Samanduela, tu connais qu'il y a un niveau de mental, d'intelligence football, on appelle ça l'intelligence football, monter. Et ça apporte beaucoup plus dans le football. Je me rappelle, moi, j'ai un match de Coupe d'Afrique. Maurice jouait contre la Tunisie. La Tunisie fait faire la Coupe du Monde. Mon entraîneur national, mon vin entraîneur national, pas de faux, parce que quand je tout le monde dit, pas de jeu contre la Tunisie, personne ne parlait entraîne Maurice. Je dis, ben, la Tunisie, 6-7-0, hein, parce que je vais jouer contre une équipe de niveau mondial. Mais, je tiens un manager qui avait Désiré Périatambi. Et dans un manager Max. Oui. Tiens un Mani. Tiens un Kadasami. Jimmy, non. Jimmy, tu l'as. Henri Spéville. Henri, tu l'as. Oui. Et tu l'as. Ziz, nous terminons le match à 0-0. Et l'entraîneur français, le maire, qui tu viens dans le vestiaire, me rappelle le match retour, et tu viens dans le vestiaire, tu applaudis mon manager. Même si tu gagnes un battre, tu es 0 match retour, tu viens applaudir mon manager parce que tu dis, nous tu joues un football très intelligent et il n'est pas trouvé un match. Et ne pas toujours avec Dissaurier, hein. Tu joues 4-4-2. Et tu joues 4-4-2, et tu es bien placé. Et tu es un joueur français, moi tu es un joueur qui est en France, tu viens jouer, le seul joueur étranger qui tu joues, on va dire, tu sautes en Léo Maurice. M'oublier le nom là. Désiré, mon compagnon, quand ils ont fait la carte, mais c'était un autre joueur qui j'ai oublié le nom là. C'est mieux de façon, Adèle, tu es dans la même position. Tu es un meilleur récupérateur. Mais nous, tu fais 0-0, match aller, match retour, nous débattons des 0. C'est fantastique. Tu balades, tu es bien content, tu es adoré. Juste pour dire, toi, à un certain niveau, même le Sunrise que j'avais entraîné, le jeu de Sunrise, avec l'expérience qu'ils ont gagné, je dis mentalement, tactiquement, je dis bien faux. Ouais. Tu comprends? Je te connais qu'à un moment, tu dis, monsieur, mets-tu dans. Comment appelle ça? Mets ça. Arasen. Oui, quand il fait la dernière passe, mais il faut valoriser aussi quand il a un sens de tactique. Sans qu'il n'y apprenne, hein, qu'il y développe lui. Dans sa créativité, il développe un sens de tactique. Ça, il faut applaudir. Et ça, nous, football, on manque. Mais sinon, on ne laisse pas. Dans son commentaire, il faut éducateur ou nous quand même manager. C'est vrai, il y en a raison, il y en a tout à fait raison. Juste dans un bout de phrase que l'indien là, l'indien est tout. Mais après, moi, mon père, non, qu'on va un éducateur, qu'on va un formateur, qu'on va un entraîneur mauricien, parce qu'il me dit merci à tout, mon ben éducateur, tout mon ben entraîneur, tout ben du monde qui. C'est du passionné. Travail. Exactement. Tout le monde qui veut gagner la chance, travail, exode. Mais je dis, merci. Même les gens qui travaillent avec moi dans l'ombre, ou bien les gens qui me travaillent régulièrement, mais je dis, merci parce que c'est grâce à eux qui m'apprennent beaucoup.
Et en plus, me prend la chance qu'ils vont gagner, je travaille avec beaucoup d'entraîneurs. Même moi, je suis dans l'équipe, je gagne la chance d'aller à l'entraîneur de l'équipe là. Comme je suis trop curieux, je gagne la chance à l'entraîner. Et du coup, ça me permet de développer une certaine qualité. Et pour ça, je me dis merci, ben éducateur, ben du coup, qui travaille dans le football mauricien, ben du coup, qui travaille dans l'eau, qui ne nous pas connaît, parce que, on regarde Sojou, beaucoup de monde connu. Mais par contre, un qui ne faut un jeu pour qu'il soit tout gagné après. Bien rond, nous connaissons Maurice. Bien rond. Mais ça m'a dit que là, c'est un travail énorme qui se fait. Malgré qui nous connaît la situation. Vous prenez l'exemple, Adèle, il y a Guillaume à pour lui. Exactement, Guillaume. Exactement. Ouais. La chance qui. Dommage, je ne travaille pas au Mais ça, je ne vais pas travailler. Non, je ne vais pas travailler au Lille parce que je suis 4 bons. C'est qui ton travail? C'est qui tes éducateurs que tu passes, toi? Moi, je suis dans. Kennedy, moi, comme resté Kennedy, c'était Kennedy, je suis dans Jocelyn Oudé. Je suis dans Jocelyn Oudé, je suis dans un entraîneur appelé. Ah, moi, quand ce vrai nom, tellement il y a un petit Rie Tiros. Tu es dans Lille, tu es dans Dedel, Mike Dedel, je ne vais pas connaître non plus. Après, les terminales pressantes, 4 bonnes, je suis dans Jocelyn Oudé, Yoko, Sanjay. Adjibola. Ouais, Moyo Zoel. Avec Moyo Zoel. Oui, Moyo. Ça, c'est Adjibola, il joue avec moi en Cadets Club. Ouais. Tu l'école ensemble, en fait. Tu collèges ensemble. C'est un très bon joueur à l'époque. Et Joël, Moyo Zoel. Moyo Zoel, c'était un très bon. Ça, ouais, c'est. Tu savais pas déjà, l'éco-secteur, c'est une sagesse. Li... Ouais. Qui douce. L'ici, ouais, jamais il est énervé. Elle ne sait pas me tout lui énervé. Non, non, jamais. C'est un camouade. Elle est contre de moi. Ça sent juste le dernier même là. Mais après, quand on va à la pour cette comète là. Juste après, juste après, mon centre de formation, quand mon Rajendo Rasami, Rajesh Ganesh, Ashley Mokidio, mon travail pour un moment avec lui. Alain Jules, pour un moment, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Après quand on quitte là-bas, j'ai eu Joachim direct. J'ai eu la chance de travailler avec coach Joe Chula. Et même avant, j'ai travaillé avec. Avant, j'ai travaillé. Agba, oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec coach Agba. Et même avant, j'ai eu l'occasion de travailler avec Kessel Lévry. Quand j'ai eu 14 ans, 15 ans, je suis en train d'être l'équipe régionale, coach moi, Kennedy. Oui. Et là-bas, lui. Il y avait même le même Ivan Marie-José. Même Ivan Marie-José. Ouais, lui-même. Mais qu'est-ce qu'il est vrai? Sincèrement, qu'est-ce qu'il est vrai? Fais attention. Hein. Qu'est-ce qu'il est trop fort? Qu'est-ce qu'il est? Ouais, il est vrai. C'est un jeune coach. Paul, comprends ce que tu as pas lui. Qu'est-ce qu'il est bon? Il est bon. Il est bon. Ouais. Alors, voilà, mais c'est Samantha Kadem qui a envie de tourner dans le cas football. Il nous a un peu découvert un peu. Ça avait un terrain là, comment ça a déroulé. Ça fait nous énormément plaisir. Qui est une zone qui nous fait seulement 10 moules, mais pas seulement dans le cas football. C'est nous temps, là pour demander la visibilité. Exactement. En même temps, comment on est aux invitations. Et Yaf aussi, Yaf, c'est un éducateur dans Liverpool Academy. Et c'est aussi un joueur Kepit Stanley. Et Yaf, tu l'as bienvenu quand on vit au plateau. Le voyage, voilà. Et il y a des questions, moi, il y a des questions à Zot. Hein, parce qu'il y a... Comment Gauthier? Et bon, on commence avec M. Sardou. Bon, M. Sardou, c'est juste un petit. Bon, il fait le devoir avant de nous plateau. Hein, un petit devoir. Je me rappelle, Zot, ben, j'ai un petit peu de nous, ben, qui a cause enfant, qui n'a pas connu M. Sardou. M. Sardou, c'était un grand défenseur. Vous me connaissez, M. Sardou? Non. Ah ouais. Top. C'est un grand défenseur et qui remporte plusieurs fois plusieurs trophées avec Senres et Fire Brigade. Et c'est un bon joueur qui ne jouait pour s'aider l'équipe là. Si vous m'avez trompé ou j'ai moi, M. Sardou. Je commence mon carrière à l'école. Je m'explique toi à l'école. Qui fait moi j'étais à l'école pour les impériales. Il y avait mon coach, mon premier coach, il s'appelait Tekman Douaka. Et après, il y a eu le premier coach de centre de formation, Tekman Douaka. Et qui fait moi à l'école, parce que quand nous, tu jouais à l'école, avec mon camarade, Benjamin Théodore et tout, Benjamin, il y en a beaucoup. Hein. Moi, juste pour dire, quand tu collais, moi, tu en as juste des joueurs qui tu jouais dans la première division. Benjamin Théodore, mon grand frère. Et puis, tu avais Fozzy John Bakker, tu jouais scout. Mais quand l'intercollège finit, le champion, deux années de suite, tout ça, 13 joueurs, sa collège, là, vient dans l'équipe première division. Et juste pour dire une anecdote,
qui, à l'époque, quand tu faisais collège, nous, tu peux donner en direct dans la télévision. Pensez eux-mêmes. Wow. Tu peux donner en direct dans la télévision. Mmh. Et ça aussi, tu causes un iPhone, tu causes un. Mettre ma structure comme ma caméra. Oui. Ça, nous pourrions continuer comme ça. On continue pour passer à du fil. Et puis, moi, tu commences à motiver pour le Hindu Cadet. À l'époque, il y avait le football communal. Mm-hmm. OK? Il y avait le football communal. Quand nous jouions, il y a chaque communauté qui est sur l'équipe. Mm-hmm. Et nous, tu veux dire, tu vois, moi, je me rappelle mon premier match, je jouais Hindu Cadet contre Muslim Scouts. 30 000 d'immun dans le stade. Mon lipé tremblait quand je rentrais. Moi, je suis jeune, mm-hmm. moi, 19 ans, mon père jouait à droite. Et vis-à-vis, moi, mon adversaire, c'est mon Fosi John Bakas, c'est-à-dire mon camarade de l'école. Il venait dans l'autre équipe, moi, je ne pas ici. Nous, lipé tremblait. Le match commençait 30 000, ça stade-là vibrait. Mais ça, il prend nous 5 minutes. Premier boule qui venait, entre nous détruit des boules. Si tu as nous connu, nos camarades, nous devions les deux boules à l'aldeo. Ça, c'était. Ça, c'est ce que je veux dire. C'était le cotisé du cadet pendant 4 saisons. Mm-hmm. Après, à un certain moment donné, il y a une certaine. Tu sais que c'était très chaud. Le football communal, c'était très chaud chez moi. Quand je te parle du football, il y avait 30 à 35 000 personnes dans le stade. Et c'était chaud, qu'à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Et, moi, et à un moment donné, je pensais qu'il il arrive l'air qui me sens un petit peu, parce que j'ai une conception, façon de vivre, moi. Moi, j'habite à Kepi, j'ai une façon de vivre. Et je prends la décision, quitte le Hindu Cadet, pour le Fire Brigade. Là, comme dit dans les Girons créoles, mon kit l'équipe Malbon, on perd pour créole là. Premier Malbon, on perd pour créole là. C'était ça qui m'a le faire. Et quand moi j'ai mon premier match, je rentre dans le stade. Pense-toi, le premier match qui nous est Hindu Cadet contre Fire Brigade. Moi, tu gagnes 20 000 de bonjour, mon maman. C'était du flocon. Mando. Mais ça, c'était comme ça. Hein. Et les petits, dans un certain sens, c'était ça qui tirait de la vie aux gens aussi. Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a un petit monde. Parce qu'il y a un petit monde. Il y a du matin, il vient mettre laqué. Un peu écho là. Oui. Et 6h du matin, il vient mettre laqué pour acheter des tickets pour rentrer dans le stade. 6h du matin. Pour le match, 3h. Et après ça, quitte Fabogate, moi, jouer pour le Sunrise. Ça, c'est-à-dire que tu quittes le football communal et juste après non, le football communal, c'est une façon que je préfère aussi que vous me disiez ça. Il y a une bonne chose. Et Fire Brigade, c'était là où j'ai tout gagné quand je joue pour la Fire Brigade. J'ai tout gagné en tant que joueur. Mm-hmm. OK? On gagne tout en tant que joueur, c'est à la Fire Brigade. On avait une équipe formidable. C'est à l'époque-là, c'est l'équipe fabriquée. Là, tu as joué en Coupe d'Afrique, mais tu as au moins dans une finale Coupe d'Afrique. C'est l'équipe-là, mm-hmm. Mopédia, hein, parce que je connais qui Mopédia. Et après, c'est maintenant que le football professionnel, c'est-à-dire semi-professionnel, commence à venir. Parce qu'en 82, 83, chômage à titre faux dans le pays. Mm-hmm. Et votre travail, c'est là que le Sunrise était formé et on a recruté des joueurs. Moi-même, tu es le premier recrue pour jouer pour le Sunrise à l'époque. Quitte Fire Brigade pour jouer pour Sunrise. C'était là le semi-professionnel. Là, tout va jouer par le travail dans l'hôtel. Et là, l'histoire de Sunrise commençait. Pendant 13 ans, une demi-heure de football, quel que soit, on est parti même en Afrique. Nous battons grand comme Zamalek, comme un Canard Devils, comme certains bonnes équipes. Et on avait des grands joueurs aussi. On avait des très grands joueurs. Moi, pas dire un ou deux, mais j'ai dit tous les 20 qui me tiraient à l'époque. Tous les 20. Hein? C'est là avec le Sunrise, j'ai tout gagné en tant qu'entraîneur. Mm-hmm. Ok. Ouais, tu fais, on fait aussi hein, l'entraîneur Sunrise aussi. Oui. Je fais l'entraîneur Sunrise. L'entraîneur ESPN 2000 que tu remportes 5 championnats d'affilée. Quatre fois avec le Sunrise, 4 fois avec la ESPN 2000. Entraîneur, pas vitrine Manchester, ça, hein, attention. Oh. Et aussi entraîneur Club M, pour GDZ 2007, oui. C'était voilà. 2007. Si je me trompe, oui. Et ça... après, tu as joué la France pour jouer de la francophone
contre Cameroun. Oui, avec l'équipe. Oui. Voilà. Ça, là, ça, c'est monsieur, monsieur Badal qui va dire mon ah, Badal, voilà, tu vas le prendre ce nom. Ça, c'est de que Lisa Badal. Ça, Monsa. Monsa, ça coûte. C'est là où le couvert. On raconte d'autres histoires de Badal. On a enlevé l'équipe de sélection moins de 20 ans en Égypte. On a joué contre l'équipe l'Égypte. Et puis, on a joué contre la francophonie en France, à Paris. Quand nous restons dans l'université de Paris. Je dirais cela. Badal, tu sais, le joueur qui te met de goal contre l'Égypte, qui met de goal contre Saman Gangan, l'équipe là. Hein? C'est là quand il retourne Maurice, il rentre Fabouguet parce qu'il m'en a cocani. Parce que c'est un joueur qui. Ben, joueur qui est formidable. Il est grand de taille, il est grand de taille, il tient une jolie frappe, il est assez rapide, et il est assez un joueur complet, mais personne ne connaît. Et là, on avait l'équipe nationale, il y a moi et l'entraîneur français, pas Benézé. Moi, avec Benézé Ameni. Oui, Benézé. Jean-Michel Benézé. Maintenant, il était responsable. Et il était en Côte d'Ivoire, lui, Benézé. Il est basé là-bas en Côte d'Ivoire. Jean-Michel Benézé, le représentant du FIFA au niveau de la CAF. C'est Jean-Michel Benézé à l'époque. Il était basé à Côte d'Ivoire. Ça entraînait là. Il était amené. Et là, nous avons découvert Badal. C'est dans l'équipe nationale moins 20 ans. Quand tu as joué ça des grands tournois là. Eh, ouais. C'est moi qui te dis, hein, l'homme qui a fait bon usage là. Moutou Adèle, moutou Gauthier, moutou Arthur là. Mais il s'est imposé, il m'écoute pas l'histoire là. Non, mais c'est aussi, en fait, c'est aussi. Vous prenez l'occasion. Vous prenez l'occasion, mais on se raconte moi de repas. Vous prenez l'occasion. Moi, ce qui me vous fait un jour, monsieur Sardou, pas été nous, c'est mon téléphone, moi, tu sais là. Ou raconte-moi un peu parce qu'au fait, mon père, nous, mon bizarre, elle a le palmarès ou mal palmarès du Pénin. Au fait, du Pénin n'a aucun dans Maurice, quand tu as une génération 2.0. Du Pénin n'a aucun archive dans Maurice, quand tu mettais Monsieur Sordiou, il jouait tel match, tel match, il jouait. Moi, je causais des fois. Nous causais des fois. Ça, nous Pénin. Au fait, il y a pas de bien archive pour moi. Au fait, nous payons un aussi pour le club M. Exactement, parce c'est ça. Le club M, il faisait plusieurs matchs en Afrique de différentes générations. Tu faisais un ensemble. Demain, quand on va jouer contre l'équipe de Côte d'Ivoire, nous connais, telle l'équipe sélection, tu déjà joué contre Côte d'Ivoire, qui tu jouais et Côte d'Ivoire, comment tu étais. Tu faisais un ça. Quand moi, tu as fait ma formation en France, à Clairefontaine, moi, j'ai fait ma formation à Clairefontaine, en France, l'équipe nationale française, il a son propre studio, lui. L'équipe nationale française. Quand je décide tout l'équipe adverse qu'ils ont besoin, je get purpose pour l'équipe tactique, whatever. Mais c'est un travail méticuleux qu'ils ont fait pour qu'ils disent, qui ça boucle l'affaire, il prend l'arrière droite française, il vient assister devant un computer ou devant la salle, il montre lui, get l'adversaire direct comment il était, get comment il jouait. Exactement. Get qui sont la force, qui sont faiblesse. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ça, c'est un autre niveau. Ouais. Nous pas arriver à ce niveau-là. Mais c'est mon niveau-là. Mon côtoie un grand entraîneur de mon carrière. Sorry, mon pas. Mon côtoie un grand entraîneur de mon carrière. Mon récent dit pendant deux semaines. Ça, c'est pas donné à personne. Ça, Bobby Robson, à Newcastle. Oh là là. Ouais. Ah, ça, tout c'était tout moi. Mon rêve. Mon rêve dans la vie. Quand tu joues au football, qu'un jour pour pas jouer, quand tu regardes la télévision, on me dit, hey, tu fais un jour pour pas jouer dans un match en Angleterre. Mais mon joué Villa pas. On joue en tant que joueur à Aston Villa. Oui, moi tu as fait essayer à Aston Villa pendant 6 semaines. Voilà. À Birmingham, oui. On joue à Aston Villa aussi. Mais mon pas réussi parce que de taille, quand tu comprends mon attaquant, moi tu as un sortant, quand tu as mon hauteur, tu as un attaquant. Pas plus de temps, tu as un phénomène, là, un zen qui peut recruter l'air. La tête, maintenant, surpasse moi. Et en bas, moi, tu mets taillé, rasé, en bas, ça va, moi. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi tu dis mon père apprécié, mais ça, c'est quand tu fais essai à Aston Villa. Ça, c'est ça.
Mais c'est ça, oui. Vous trouvez là, vous trouvez là, Mika Football News, votre adresse là, votre autre aussi là. C'est vrai que c'est bien qu'il. Bon, mon mari content, mon mari fier aussi, hein, qu'il Mika Football News, ça concept. Non, 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 mais ne mettez ça concept en place parce qu'il pourrait même nous donner à donner un peu ces histoires qu'il a connues au début, c'est un porc qu'il devait faire. Là, autre un beau son, il a connu un peu ce qu'il m'a vu, ce moment-là, à l'île Maurice. Mais c'est ça, Odjun, Vini, qu'on est belle, raconte aussi sa affaire, comment ça dans la formation, et la Manzoué, comment Ricardo, voilà. De trouver comme elle était décidée, mais ça va Michael Badal, Jimmy Kandasamy, Père Tom, qui est passé. Aïe, l'équipe est passée dans le cas footballer, ça peut être Jimmy Kandasamy. Non, non, c'est vrai parce que. Non, c'est vrai, franchement, quand moi avec Mika, tu mettais des projets sur place, il y a une étudiante qui même mal footballer à Mauritien. Malgré qu'il n'est pas dans Maurice, mais à travers un contact qui nous est là, de gauche à droite, et aujourd'hui, nous fier qui, franchement, est un plateau. Football local, le Mika Football News. Nous, comme ce soir, nous avons des mentalités, mais nous pas besoin que ce soit là. Nous disons croire dans le projet. Exactement. Croire dans le projet qu'il nous peut faire. Nous pas besoin de vous imaginer, monsieur. Comme ce soir, je dis. Fait une thèse. Écrit les noirs sur blanc. Envoyez ça au ministre là. C'est ça. On a fini faire. On fait nous en contact avec le ministère aussi pour que les autres parce qu'ils ont trouvé ce qui nous peut faire un travail. Comme je disais, nous pouvons faire une tasse histoire, nous pouvons faire un ZIS pour l'avantage de tout le monde, nous mettre l'esprit ensemble et nous faire une grosse émission aussi. Quand nous avons dit que nous avons bien sélectionné un Digimon, c'est moi de tout ensemble. Hein. C'est moi pour bien garder tout le monde. Tout le monde pour parler. Tout le monde pour là. C'est moi de nous mettre. Johnny là, non? Johnny supposé être dans le plateau. Ouais, Johnny n'avait même pas le message, il est bloqué et malheureusement, il n'est pas plus là. Ouais, mais Johnny, il passe beaucoup dans l'émission. C'est pour ça que nous sommes pas capables de dire à des langues, nous trouvons dans la sélection, nous connaissons des langues là-bas. Nous avons envie à des langues, c'est pas mis nous là, de sa visibilité là, qui peut arriver, qui te peut faire, qui peut. Nous avons envie ça. Non, mais vive ça, le Mika Football News. C'est pour ça qu'il tout le temps nous vont promouvoir sa manche ici. Alors, Arthur, toi aussi, pareil pour toi, mon frérot. Et voilà, t'es à l'île Maurice maintenant, t'es que nous, tu vois. Alors, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui avec tous les amis aussi, hein, qui sont de l'extérieur, qui viennent pour l'avenir aussi, hein, qui aiment le foot. Alors, c'est pour ça qu'il nous crée cette émission-là, pour lui mettre tout sa manche du monde là. Allez là, raconte des histoires, raconte ici comment ils ont envie de faire pour améliorer un kit ceci dans le foot local. Comment ils ont besoin faire? Qu'est-ce qu'ils ont besoin faire? Qui est une première étape qu'ils ont besoin faire? Parce que, ouais. Et comment nous dans ce concept-là, nous presque il y a 56 minutes, nous lançons une petite question après. Adèle, je vous intrigue là. Ah ouais, Adèle, je vous intrigue après. Ouais, Adèle. Ouais, pour revenir à ce qui te fait dire, déjà, les intrigues de magique, de comprendre, c'est que, comme monsieur Sordjou, plus ancien peut raconter un peu cette histoire, c'est. Lui faire plaisir, tu vois, lui donne toi l'envie, lui donne toi et qui fait pas demain l'équipe nationale peut jouer nous devant 50 000, 60 000 du monde, tu vois. D'accord. Qui fait pas qu'à nous, qui fait pas qu'à nouvelle génération, puis aller chaque samedi, t'es tout 30, 25 000, tu peux rentrer au terrain, tu sens un frisson. Parce qu'il y a toi, quand nous, à l'époque, football professionnel Maurice, tu as joué Saint-François, terrible. Tu as joué Saint-François, terrible. Respect, ben, du monde qui reste là-bas. Et même, et sincèrement, je me trouve, ça veut dire, je pas, je crois, c'est le match contre Vienno, nous jouons ça Saint-François. Joachim contre Vienno, Saint-François, et Saint-François blindé, tu as beaucoup de monde. Et même, ben, imagine-toi, je sortir Vienno pour venir football Saint-François. Mais déjà, je suis content, ce pauvre-là. Je suis content de faire là. Donc, mon propre, peine excuse, c'est une excuse. Mais c'est. Moi, je pense qu'il faut possible, hein. Il faut possible qu'il brûle comme ça. C'est ce qu'on peut dire. Nous rester ensemble, nous mettre la masse ensemble, nous beaucoup aux autres. Tout simplement, ce qui nous peut côté là, nous venons, comme M. Sordjindia, il y a une formulaire qui nous crée, tout bande d'idées là, etc. Que nous pouvons dire ça, Benjamin concerné, et qui nous mettent l'esprit ensemble pour faire ces affaires-là, arriver là-haut. Alors, stay tuned, les gars. Nous faisons un travail sérieux. C'est de l'avenir qui est en jeu. Et voilà. Vous pensez si, Orchie aussi, pour toi, c'est top que tu es là aujourd'hui parmi nous. Vous pensez pas si Orchie aussi, avec l'équipe de Rasta, tu as toujours des champions, hein? Champions. Ouais, supporters. Champion, mon frère. Ouais. Alors, voilà un peu. Voilà.
Par contre, il y en a beaucoup de questions. Il y en a beaucoup de questions. Monsieur Sardiou, si vous voulez, on ne peut pas prendre le temps ou Gutman Comment, on ne peut pas répondre à une question là, ou même parce qu'il y en a beaucoup qui posent des questions. Et nous, nous avons une petite question, et tu fais ça dans la liste question, et par rapport à ce qu'il y a, Sindianou, est-ce qu'il y a une forme éducative? Et moi, je reprends ça, et pareil, comme on m'a dit, Badal Sindianou, je voudrais lire, et je suis content. Travailler avec Sardiou et tu comptes aujourd'hui une coach pour l'enfant. Et est-ce qu'il nous capable de prendre un ancien joueur, forme Zod, ou soit pour cette expérience, faire Zod bien éducateur ou même entraîner. Ah, c'est ça. En fait, mais ça serait bien. En fait, coach, voilà. Je voudrais les là. Un tour de table. Un tour de table, Sardiou. Un tour de table, il fait. Un tour de table, il fait avec. Mon coach Lola, parce qu'il y a quelqu'un qui, même pareil, dans le même contexte qu'il avait causé à moi, il y avait. Le journée de travail, le 1er mai, je dis qu'aux un petit peu l'eau là. Moi, je dis qui est un vecteur que le ban décideur n'a pas pu développer, c'est le vecteur sportif. Mm-hmm. Dans le sport, il y a beaucoup de jeunes qui trouvent travail. OK? Et qui sont capables de valoriser ce travail là, premièrement. Qu'il y ait un joueur de foot, c'est un travail, et qui te fait des principes pareils comme un travail normal. C'est-à-dire, il travaille, il y a ce local, ce site, pareil, il rentre dans la structure du travail, dans la loi du travail. En même temps, moi, tu dis aussi, qui demande l'école primaire, c'est un professeur qui peut venir travailler à Zodizou, qui appelle Zod, un holistic teacher. C'est-à-dire, je viens montrer mes enfants la musique, la danse et tout. Mais il y a quelqu'un qui montrait le sport. Oh, le sport même qui vient finir capable. À ce pour capable, ça m'a dit mon là, qui a trouvé le travail, vous avez une formation pour eux. Vous avez formé eux. Pour moi, il n'y avait pas d'autre chemin qui ban ancien joueur, c'est l'idéal, parce qu'ils étaient dans le vécu. Comme on dit ancien joueur, on dit il est ancien sportif. Ils étaient dans le vécu, eux. Je ne connais le niveau national et international. Et je connais qui veut dire la discipline. Le sportif en lui-même. Pas besoin qu'il y ait qui veut dire la discipline. Il connaît qu'il est passé, lui. Et il connaît sur l'expérience, il apporte avec l'enfant. Il vous dit, mais tu connais le sport techniquement, je dis comme ça, mais tu viens la vie discipline comme ça. Ça, c'est le sportif dans lui-même, il vous montre ça. Ça nous vient valoriser ça. Moi, prends l'exemple, nous tenons un entraîneur, mon respect Adeline entraîne en Bali, l'entraîneur brésilien qui était venu là, comment s'appelle Philo. Francisco Philo. Oui, tu dis en Bali, tu es entraîné en Bali, Adèle. Ouais. Cet entraîneur-là, pas tu l'as mené pour faire entraîner national, ça. C'est un entraîneur qui ne dépasse le soixantaine, si je ne comprends pas. Hein? Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, il ne dépasse. C'est un entraîneur qui était l'homme idéal pour former un éducateur. Parce qu'il tient beaucoup dans la tête. Il tient une encyclopédie, ça, Bougla. Mais je ne peux pas connaître, je ne donne ni à le faire entraîner l'équipe nationale, au lieu, prend lit, forme un entraîneur, forme un éducateur. C'est ça qui nous besoin. C'est formation un éducateur. Quand on forme un éducateur, tu prends un bon footballeur, parce qu'il est un éducateur là, sans démérite d'un éducateur qui est déjà là, tu donnes encore un outil de travail, de nouvelles technologies. Je dis l'entraîneur, il faut qu'il manipule un computer. Il faut manipuler le computer parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui se fait en ligne, tu as apprendre aussi en ligne, tu as fait ton examen en ligne, tu as fait tout l'entraînement, avant qu'il te fait l'entraînement là, le terrain, en la réalité, tu as animé déjà dans ton computer. Ça, c'est un nouveau outil de travail qui t'a donné pour développer un dimoun, développer un éducateur pour ça. Ça, c'est une nouveauté. Tu comprends? Et pour moi, il est clair qu'il ban éducateur, ban ancien joueur, besoin de nous autres former. Qui dans mon village hall, qui est dans mon district council et qui dans mon municipalité, besoin d'un man du monde qui a une vie sportive pour promouvoir le sport dans notre région. Si à cet audien fonctionnaire qui peut une belle sourire sans manque du respect à eux, mais si il peut une formation d'entraîneur de sportif, tu as dit, mais à le montrer. Il peut montrer ce qu'il peut apprendre, le livre,
Mais il n'est pas pour l'expérience vécue. Il y a un vécu, il y a une émotion aussi, il y a un feeling. C'est pas des pénalités. Voilà. Mais ça sera dû parmi l'équipe, là, parmi l'équipe. C'est pas moi, demi-finale, c'est pas semi-finale, pas avec une deuxième, même nos finales aussi. Il connaît sa émotion, là. Il connaît sa préparation mentale. Oui. Il connaît sa feeling, là. Ah, tiens, ces boucles-là, ils existent de football, comme ça, de droite à gauche. C'est pas connu, il peut être très fort. Toi, je pas une demi-finale. Il n'est pas pareil, ça. Toi, tu la tête même. Il y a l'autre avec une émotion, un feeling. C'est l'autre avec qui est en toi. Mais beaucoup de gens pensaient c'est un match, ça. Mais ah oui, c'est un match. C'est un match football. De ça, il a beaucoup posé. Beaucoup de questions de la boutique. Je vous donne parole à Manjean. Ouais. Alors, Antoine, tu as un truc à rajouter par rapport, justement, très tranquille, là, très... Toi, je suis appris de trouver M. Sorgiou, connaît beaucoup plus que toi de ton propre pays, je crois. Là. Je suis agréablement surpris. C'est vraiment une personne qui connaît le football. Parce que ce qu'il a dit sur le foot de chez nous, les deux équipes et tout, c'est un plaisir pour moi de l'écouter parler et tout ça. Vraiment, ça fait plaisir de l'écouter. Et disons que ce que moi j'allais dire, c'est quelque part aussi, c'est une question de mentalité. Vous voyez, par exemple, chez nous, quand une personne dit qu'il est footballeur, on comprend que c'est son métier, mais ici, par exemple, quand tu dis que tu es footballeur, on dit oui. Et après, les gens ne considèrent pas le football comme un métier. Mais tu as mis du soin, hein? Ouais, j'avais mis du soin. Considèrent le foot comme un métier, en fait. Mm-hmm. Parce que c'est un métier, M. Sayou a dit, pour nous, le foot, c'est un moyen d'avoir un avenir pour nous. Quand un garçon se lève le matin, il se dit, de la même manière, les gens ils partent à l'école chaque jour. C'est pareil, le gars, il passe s'entraîner tous les jours. Il veut que ça soit un métier pour lui. Même quand il travaille, il trouve le moyen de pouvoir s'entraîner chaque jour. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que le foot est un peu plus développé. Je ne dis pas développé, mais le foot est vraiment une religion chez nous. Tout le monde s'entraîne. Même quand il n'y a pas le temps, on trouve le temps pour s'entraîner et tout. Et puis, autre chose, j'en profite en même temps pour vous féliciter pour ce que vous faites, parce que vous offrez une visibilité au football local. Il y a 3 ans que je suis arrivé ici. Au début, ce n'était pas comme ça. Pour avoir même des images, des matchs, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je suis à un plateau, un live où vous parlez du foot. C'est bien. C'est comme ça que les choses peuvent bouger. Donc moi, je vous félicite pour ça. Et puis voilà, quoi. Je vous encourage à continuer. Tant que nous, on peut passer pour parler, pour donner notre point de vue, on le fera toujours. Merci beaucoup. Bien vu, mon gars. Mister le Portugais, là, le Portugais, mon gars. Portugais. En fait, aussi, quand on lui pose la question, là, parce que la question est globale, hein, que ce soit Adèle ou même Adrien François, il n'est pas assez à dire ça à l'expérience qu'ils ont été là. Et si cette courrier arrive avec un terme, un jour, hein, bon, on peut dire que c'est là, hein, à un certain âge. Ils ont capable de retrouver les autres. Bon, je connais ce qu'ils ont gagné avec l'expérience qu'ils ont gagné en tant que footballeur, d'autres qui ont joué à l'extérieur, etc. Après, ça lui aide beaucoup, Adèle aussi, hein, parce qu'il te trouve, comme toi, ton copain vit dans. Ton conflit, ça va nous jouer qui sont jeunes, j'ai aussi, moi, pensé, toi qui es un joueur qui te très, te connais un peu maintenant, j'ai aussi, qu'on nous rappelle l'époque qui sont jeunes, puis Jerry Lui, Henri Spéville, Sébastien Bach, Jimmy Kansami. Ça fait toi, et ton big et ça, c'est aussi qui me rechaîne, et non, bien, je te laisse, tu comprends? Et non, mais ça va nous jouer aussi. Normal, c'est tout à fait normal. Parce que, maintenant, dans ce temps, j'ai fait une affaire qui. J'ai fait beaucoup de sacrifices, c'est sûr. Mais je t'ai fait beaucoup pour, je t'ai fait pour le football mauricien, tu comprends? Mais si je dis la plupart du monde reconnaissant envers eux, c'est par rapport à ce que je t'ai fait, ben, en chaîne fait, tu comprends? C'est pour ce travail, même pour le match que je t'ai fait international, pour le match que je t'ai fait local, tu comprends? C'est un travail qui m'a fait. Et derrière, c'est un travail de médiatisation qui fait que, voilà, toutes les semaines, tu es tout, maintenant, tu connais que ça n'a pas, tu. Tout un grand jour, bien c'était la Gazette pour connaître qui est passé samedi football Maurice, tu vois? Il est déjà ça, tu vois? À ce là, franchement, il est beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Mais, tu me connais du monde qui est même passionné football local, qui est venu, j'aime moi, hey, t'es tout seul, comme Maurice, j'aime moi, hey, t'es trouvé qui Adrien fait, t'es trouvé qui Andine fait.
et tu as le football, tu comprends? Ça, et ça, ça fait moi plaisir qui ben n'a pas cause un man qu'à moi qui ben n'a pas cause un man du monde qui voilà, tu comprends? Ben je local qui comme l'époque Sunday, je fais 4 bonnes tous les semaines. Donc il est dit ben Nadia, tu trouves que Sunday fait et ça donne toi motivation. Ça donne toi motivation. Sunday, mieux terrain, tu fais 4 bonnes à l'époque. Là, mon côté, le goalkeeper, Arthur, c'est qui le goalkeeper chez toi? Friday, c'est deux frères. Friday, Sunday. Non, Friday, Sunday, il arrive maintenant la semaine, ça? Friday, il arrive pas de t'envie. Et ça donne ton envie, Eh, je t'y connais. Juste pour te dire, pour ta zone, tu n'as un duo longtemps dans Joachim. Adèle et l'enclume. Adèle, tu joues avec l'enclume? Christophe l'enclume? Ouais. Oui. Lui, c'est. Trop fort. Christophe. Il n'a pas tout lui jouer pour l'équipe nationale. Non, mais la situation fait que, voilà. Mais sincèrement, c'est un bon milieu de terrain qui m'a trouvé faux. Vraiment faux. Ouais. Même quand on me dit petit, je me guettais. Trop faux. Après, il y a ben Stéphane Pierre, ben Pauline. Pauline, tu fais ce que plus. Ça, l'artiste. C'est la Pauline. Fabrice, Pauline. Mais moi, Pauline, vous t'appelez Zidane. Tu ne connais pas Pauline, toi. Tu connais Pauline? Non. Ils ont en deuxième division maintenant. Ils connaissent Pauline dans. Ils connaissent Pauline dans Côte d'Ivoire, mais Pauline dans. Stéphane Pierre. Tu joues avec moi dans l'équipe nationale Mauritanie plusieurs fois. À cause de l'adducteur. Mais Pauline, c'est notre. Pauline, l'époque Kevin Sala, il casse des portes. Pauline, dans mes terrains, là, problème, là. Ouais, lui-même, qui fait la rage. Ouais, c'est aussi, c'est moi. C'est la même, c'est lui qui est posé sa boule. Ouais, bon, gaucher. Denis, c'est check mon frère. Big up à toi. Et voilà, bravo ce que tu veux faire pour le foot, frère. Bravo. Monsieur Sordi, nous passons une dernière question après. On nous termine ici. Une question, un auditeur qui t'a demandé. On laisse Mikael y aller. Alors, British Boyrou, alors, Mr. Sordi, est-ce que vous pensez bien réforme sa concept-là avant d'un football à Maurice, c'est-à-dire Remit Kadit Sunrise? Est-ce que c'est ça qui pourrait lancer football à Maurice? Alors, c'est une question qui nous gagne assez souvent aussi, parce qu'il nous permet de retrouver visibilité, nous permet de retrouver supporter de stade, parce qu'ils disent pas le nom, parce qu'on voit vraiment dire Nike, là. Alors, Nike, Adidas, même il avait créé une affaire extraordinaire, mais c'est moi qui finis faire ce nom. Est-ce qu'il Fire, Sunrise, Kadit, si nous remet Zut, là, est-ce qu'il nous fait Adelong, Zut, Fire, ne fait pareil, mais à cause ça non là ici qui ça va nous gonfler pour gagner sa visibilité, ça va supporter le super table. Tu sais, tout ce qui était avant, tout ce qui était football communal, c'est pas l'histoire de nos pays ça. Au fait, nos pays pas tina personne de la terre, Maurice, pas tina personne. Nous tous sortis quatre coins du monde, nous venons. Ça quand nous garde ce concept de communauté quand nous venons et ça fait créer un quoi dire. C'est nos façons de vivre et nous tu bien ça nous capable au niveau football nous il a beaucoup interaction difficile mais dans une société nous c'est normal, moi je dis bien normal. Mais quand tu tiens ça te dis un dimon mais à l'identificateur qui est pipe à l'identificateur pour lui il devient difficile. Le ça changement là il fait trop brut de football communal au football régional, il fait trop vite. Et du monde pas identifié avec l'endroit. Du monde encore identifié avec d'autres communautés. Et la personne qui bouscule ce système-là, c'est un politicien. Et c'est même le plus grand hypocrite parce qu'il doit faire une petite chose devant du monde, mais derrière les deux, je fais pratiquer une autre chose.
Tu vas dire, il ne faudrait pas nous faire communal, une société assez ouverte, bizarre, tout ça. Mais derrière, il y a deux autres pratiques, le communal à 100%, quand il y a élection, quand il y a pour faire quelque chose. Ça, bon, vivre ça depuis aujourd'hui, mon couple est vivant ça. C'est même qui, dans Maurice, dit à Get Figuier, fait donne quelque chose. Mon couple vivant ça. Quand que face à nous, je compte pas, mon figuier n'a pas passé. Mais disons, bizier ça. Il arrive un moment dans la vie maintenant, bizarre, pense nouveau, vers l'avant, pas reculer derrière. Oh, ce qui nous dit, créer un petit zoji de Timoun pour lui vintre, nous t'y n'a stade après stade 05. Jour 5, excuse-moi. Jour 5. Tout du monde, tu sortis ça de quatre coins, tu veux venir get football. Je te mets tracé. Je dis que tout du monde sortit dans le sud, venir get football, il vient à Mélopi dans son poste. Son transport, son manger, tout ça. Écoutez. Ouais. Oh, ce qu'il faut faire maintenant. Au lieu que tout du monde vienne dans un stade, nous créons un petit stade omnisport dans l'endroit. Parce qu'ils ont dit, quand il y a un football dans l'endroit, quand des grandes équipes dans l'endroit jouent, terrain rempli à Dimouna. Ça joue un football Samouni. Blindé. Exemple. Ouais. Fête là-bas. Moi, ça gâteau la vie ouverte. Moi, ça gâteau la vie. Moi, ça dit pas gagner la vie. Je comprends qu'il veut dire. Qui ça, je ne sais pas avec les Sud. Oui. Ça, je ne sais pas avec Rivière Noire. Ouais, les Sud. Et les Sud, là-bas. Mais dites-vous, des jeunes qui. Aujourd'hui, nous visons vers cet endroit-là. C'est-à-dire créer un stade omnispo, 5-6 dans notre île. Les là, du monde, pas besoin de payer beaucoup, ils viennent ce stade. Les enfants là aussi, ils viennent jouer ce stade. Ils rentrent à la case, bonheur, ils font sur l'éducation aussi en même temps. Tu as tout à gagner. Ils prennent un investissement assez énorme d'un coup. Déjà, ne peut pas cause faire ma cause cas, si mal causé, n'a pas le fermé tout. Juste pour dire aux autres qui faisaient créer ça, un petit stade là, dans mon quatre coins Maurice, quand tu es dans un petit monde content football, quoi, Rivière Noire, nous mettons un stade, nous disons Rivière Noire, dans football, nous mettons un stade, nous mettons bon, bon matelot. Il disait, c'est lourd, si tu faisais faire un stade, c'était dans Rivière Noire qui tu faisais faire. Sans qui, nous disons, pas tu faisais faire un bambou aussi. Aussi pour dire beaucoup de bons jeux. Si pour faire le parallèle, qui, quand nous avons Zoo 5, nous avons Andjale, nous avons fait un stade, l'éléphant blanc, nous avons fait pas tout ça, Kodo. Ouais. Un autre l'éléphant blanc. Si pour dire aux autres qui, comme quoi, tandis que quand tu prends, qui fait le stade de Saint-François Gaïdimoun, c'est la proximité. Rosebois à côté, c'est plein de vertes à côté, c'est ben du monde qui compte en football, ça. C'est ben l'endroit côté d'un footballeur plein. Hein. Exactement. Et pour lui, et ça pour gagner beaucoup de footballeurs. Et après ça, et ici en France, nous faisons un petit. Nous, et non, un grand stade, comme un stade de France. Ouais. Ça, c'est un stade après, international. Mais il n'est pas toute l'équipe qui va jouer. Après, il y a un petit stade d'un quartier, après ça, un stade de proximité. Ça veut dire, moi, je suis un quartier, mon équipe peut jouer. Bon, pas besoin de prendre train, moi, X endroit, sauf si nous voulons l'extérieur. Mais nous connaissons un stade de proximité, ça veut dire dans mon endroit, nous connaissons un stade. Nous connaissons bien la place, mais bon, nous organisons, nous mettons un coup. Après, c'est un très bon travail. C'est ce qui est. Gauthier, tu fais vraiment penser à des affaires. Tu connais qui. Nous-mêmes, tu m'as promis, on amène à SPL de Bulle en France. La SPL 2000, tu as joué en France, dans l'endroit appelé Cocorneau. Cocorneau. Oui. C'est la Bretagne. Mon bien, ça fait M. Sordiou. Moi, ça fait Paris. Apporte le sud de Paris et l'autre côté Paris, après le sud de la France. L'autre de la France. Voilà. Mais après, les gens n'ont pas connu. Non, après, là, c'est un jeu. Quand on peut écouter, on peut écouter, on peut penser un coup là. On peut écouter, on peut écouter, on peut écouter. C'est un jeu. Après, ici, quand on peut écouter aussi, c'est un très bon mesure de message qui m'a passé aussi. Parce qu'il est vrai aussi, parce qu'il est dans la situation que nous payons actuellement, qu'on ne connaît que une mauvaise influence comme la drogue en priorité qui est là, qui est une banzène, etc. C'est vrai que c'est une façon aussi, si nous voulons, envie de combattre contre la drogue aussi, une envie pas combattre, c'est très difficile de combattre contre la drogue, mais on peut le faire, mais c'est un moyen aussi, que tire les jeunes aussi,
vu ce mauvais semaine ici pour créer ce petit stade, ce petit comme ça ici. Comme ça, pendant qu'il y a une distraction, vous trouvez qu'il voilà. Et une semaine, mais si puis là, non, il y a un autre endroit. Mais vous avez bien. Et un intérêt, mais. T'en mais c'est pour ça qu'il nous dit. Si c'est toi, bon, il y a plein d'affaires. À qui profite le crime? Ouais. Ouais. Non, mais ça même pour dire. De quoi il vient dans le bossa? Pourquoi tu es allé, tu es en train. Tu regardes, moi, tu peux entraîner citer la cure. Mon dernier équipe qui m'a entraîné, c'est citer la cure. Avant qui, tu as vu une jeu pour citer la cure, moi, tu as entraîné citer la cure avant. Mon dernier équipe qui m'a entraîné ça. Un beau jour, on peut entraîner dans un terrain citer la cure là. Pour quitter ce terrain là, Matelot. Vous dites, bien ça. Il y a un canal passé dans, de Djiboul peut passer, on peut entraîner. Tu connais ce terrain, Arthur? Ok? Moi, tu es qui me pose question, je me dis, et Pénanti là, la drogue pour là. Oui, je connais. Je me dis, ouais, tu peux rester voir là-bas. Ben là, je m'en ai un bougla. Et ben là, quand tu connais, quand bougla, restez tout là. Je m'en ai un bougla, restez là-bas. Je me dis, bus, je me dis, amène-moi que tu aies un coup. Je me dis, déjà, il peut tout y banzer, ça. Je me dis, ben, c'est juste faire un terrain pour moi synthétique, pour moi là. Au moins, il faut faire un terrain pour moi là. Déjà, il peut. Bon, je me dis, j'ai tout à fait. Bougla peut faire un. Pensez, il n'est pas loin des codes où tu peux entraîner. Hein, bon, Dieu, il a à peu près 10 la case ou 15 la case après. Bougla sur la case, j'étais. Bon, Dieu, mais déjà là-bas, il y a un problème. Bougla peut faire. Il dit, rends un terrain. Au moins, quand il est gagné là. Il investit. Il investit loin de la football. Il doit faire un zen là. Mais si vous ne dites pas, non, c'est vrai. Le football, pour nous, nous besoin vers les gens. Nous ne pouvons pas attendre du monde dîner. Nous ne pouvons pas attendre. Qui ben jeune vient nous dans un endroit là créer une structure assez pas de professionnel pour... comme des connexions on va parler de bloc aujourd'hui de la Mais le bureau fait tout, hein, tout ce qui est possible. On n'a pas à la boucle à faire. Non, c'est vrai qu'il ne veut faire, qu'il contient toi, Ariel, tu connais un peu de projet. Alors, oh, tu es aussi pareil, tu connais un peu de projet de Mika Football News. C'est pour ça qu'on dit, on va se souder ensemble, la marche lâche toujours. Pas, lâche pas. Parce qu'on vise pour l'avenir, pour votre avenir, les gars. Parce que nous, on est là, on est ici. Mais on peut faire des connexions, tu vois, avec le ministère, et même à l'étranger aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à l'étranger qui nous ont appelés, comme Ali de la Tour, etc., qui nous téléphonent, nous, qui nous prennent contact avec nous, qui disent, nous, mais ouais, c'est un objectif qui est créé, on est capable de mettre tout en contact avec les joueurs mauriciens, etc. Alors, il y a toujours ça m'a contacté aussi, et on vous a dit, les gars, faire une petite vidéo. Compilation, de vous, envoyez-nous. À ce moment-là, moi, je suis à Melbourne. Moi, pas mettre sa vidéo là. Moi, montrer puis mon dirigeant, comme vous trouvez, mon entraîneur de foot aussi. Gauthier pour appareil en France. Sébastien en Belgique, dans ma ville au Canada aussi, qui est en nous. Alors, ça, c'est le travail de Mika Football News pour faire gagner sa visibilité là. Alors, on fait ça pour vous, les gars, et on demande que vous êtes là, présents aussi. Restez studieux avec nous, et ça va se faire. Ça va se faire, c'est sûr, ça va se faire. Voilà un peu le message. Alors, merci à vous, les gars. Merci à M. Sordio, surtout. Merci à M. Sordio, merci à Arthur, merci à Adèle. Vous m'espérez que je vous réponds présent quand nous faisons un nouveau live, un autre live. Sordio, ou la bienvenue. Un plaisir. Merci, Mika. Ouais. Merci à toi, on va se voir plutôt. Je suis à Flac, quand tu as raison, tu viens me voir à Club Life. Voilà. Adèle, tu as un autre Mauricien encore avec toi, non, notre joueur. Ouais, Jolan François. Jolan François, un jeune. Ouais. Oui, il y a quoi avec toi? Ouais, mais là, je ne sais pas, il est où? Il se repose, je crois. Ouais. Il repose. Mais tu lui as dit bonjour de ma part. Merci. Pas de soucis. Alors voilà un peu, c'était très très aimé. Tout le monde du monde là, de tout content, de tout Chelsea là, il est content. Et là, on apprend les choses avec M. Sordio. Alors M. Sordio, comme on connaît, là, nous restons toujours en contact, hein, toujours en contact avec M. Sordio. Parce que nous fait un gros live aussi, qui veut venir, un gros live qui veut venir là, parce que c'est tout le monde du monde, du ministère, etc., qui fait le pas, qui veut faire le pas aussi. Il va nous créer un gros live, nous pour sélectionner le monde aussi, qui va nous faire des reprises, quoi que ce soit, techniquement, quand nous organisons, pour ne pas faire un message passer. Et c'est 100% sûr, les gars, nous pas aller l'avant
qui nous fait football local là, revivre encore, remettre encore. Parce que nous connaissons la mentalité qui m'a sorti, comment Adèle, comment Arthur, qui est avec nous, et avec les autres aussi qui passent dans l'émission, c'est une mentalité très propre, très calculée aussi. Tu n'as pas pu venir pour faire la guerre, faire des autres, mais ils ont envie de faire les affaires là, dérouler ensemble, dans un seul état d'esprit, et nous faire les blagues, comment faire, et nous sommes capables de faire, nous recommencer de la gamme ensemble, comment ça c'est pour bien sortir, pour nous crier les autres noms, pour nous attendre les autres, parce que les autres bandes mauriciens, les autres bandes de football, les autres bandes d'entraîneurs, ils ont énormément de talent. Et nous ne pouvons pas causer aux autres, ils ont un frisson, papa, parce que nous nous fier, nous ne pouvons pas causer aux autres. Parce que c'est un talent, c'est un talent énorme, et nous croire de ce talent, que ce soit fille ou garçon et coach, nous croire de ce talent, c'est nous 100%. Nous pas venir pour faire fake, pour venir faire le show, pour faire blablabla. Nous croire dans eux, et nous 100% sire, des papes et des mains, dis fait papa. Nous remettons la ambiance ensemble, nous ravons des bâtés, tout kakou. Eh, là, on vient faire venir encore le stade, et nous mettons la vie, faisons vibrer. Les gars, t'es bien, on met l'ambiance à toi. Prends le bus à la mer. On met l'ambiance, mais je suis au top. Bravo, Mika, pour bonus. Bravo, t'as doré, c'est. Eh, Mika, tu sais que tu fais bien. Non, mon frère, vous connaissez l'amour. Tu sais que tu fais bien, c'est bon. C'est moi, un seul problème, frère. Je suis pour Liverpool, mais bon, c'est comme ça. Mika, football, lui, c'est le show. Maman, quand tu as football, là. Non, en fait, Mika, il est un personnage du support Liverpool. Et par contre, dans l'émission, nous disons, Mika, tu restes neutre parce qu'il ne va pas prendre parti, aucun parti. Non, Adèle, comme manière. Si Manchester gagne, félicitations, les gars, bravo. Bon, là, vous avez fait le show, vous avez battu, vous avez fait du bon après, au fond, là, c'est discipline, c'est responsable. C'est voilà, mon compte en football, moi, mon compte en Manchester, mon compte en Arsenal, mon compte en toute l'équipe, moi. Mais voilà, c'est vraiment l'équipe, c'est Liverpool. Je compte un ticket de plus, l'autre là. Alors, merci beaucoup à vous, les gars. Et pas oublier, monsieur. Merci le diaspora. Oui, vous voyez que mon ami Samola, parce qu'il appelle les autres diaspora, c'est bien. Merci pour ça. Qu'ils ont fait une motivation. Et pas hésiter à inviter beaucoup les autres bandes jeunes, les anciens. Faire une émission avec eux, donner eux sa langue là, et garder sa flambeau là. J'espère que dans mon vivant, je retrouve sa football mauricien là, sa stade là rempli, qui fait vibrer ça. Exactement. Quand on fait que je me sens sa vibration là dans les bras, dans les bras. Exactement. Parce qu'on connaît où ça sort aussi. Si ça passe là, ça football là, même Adèle, même tout là, qui t'entend à l'étranger, Adèle, même Arthur, que tu connais comme ça d'ailleurs à l'étranger. Si je connais, ça passe. Mais quand football là, c'est une passe banale, comme banale, il raconte l'histoire. Ou pas tu veux venir, ça sort du. Avec tout le respect que je vous dois, ou pas tu veux venir là, ou pas tu veux raconter l'histoire là. Ou connaît qui nous fait positif, qui nous manque, sont très positifs. Et nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Et nous croyons sur vous. Donc, il y a qui m'a fiété, Mika et Gauthier, et les Banjan, quand je te mangeais l'Olari. Il dit, mon arrête-toi. Exactement. Parce que toi, football longtemps. Tu connais, tu es obligé à saisir ce que tu raconté parce qu'à un moment de cela, tu as fait vivre une grande aventure. Et ça, dis-moi, ne pas oublier ça. Et quand tu dis, arrête-toi aussi. Mais pour moi, je vis pour ça, je dis là, moi. Parce que quand je cause football, je vais oublier tous les problèmes, toutes les affaires. Ça, c'est vraiment, il fait ta chaud au cœur et te dire, ouais, je vais faire quelque chose pour ça, football local, là. Pour que ça, dis-moi, là, ce soit encore vivre. Voilà. Alors, quand nous disons ça fait de Mika Football News, ne pas bien essayer. Hein? Oh, tu as mis ça sur du Aden, on va bien essayer, nous. Hein? Mais bien essayer. Alors, ce qui est pour parer, pour fight, ce qui est pour parer, pour un soldat sérieux, qui dit, pas bien, ne pas prendre parce que beaucoup de gens vont dire, hé, Mika Football News a paré, ça, les baisers, bien que j'ai fait une tête à part, blablabla. Beaucoup de gens pensent comme ça. C'est pour ça qu'ils sont arrivés, quand font même des affaires, ça ne va pas aller de l'avant. Parce qu'avant même commencer, avant même mettre la main, ils ont fini par se battre à négatif. Qui passe des armes là, c'est pour ça qu'il fait négatif, c'est pour ça qu'il n'est pas avancé. C'est pour ça qu'il nous crée une équipe, c'est pour ça qu'il nous gêne au Mika Football News. Nous payons beaucoup de monde qui est abonné avec nous, qui check nous, comme on le dit. Mais c'est pour ça que le nombre de monde qui nous est là, c'est pas une mentalité féroce. Une mentalité féroce. Ils ont envie qu'ils s'avancent. Ils ont envie d'arriver. Mais ça tire la même, mais ça tire la même qui peut avancer quelque chose. On a 100 000 du monde qui peut suivre vous, mais il y en a dès là-dedans qui.
qui n'a même un causé créole qui dit ça dans sa claque croisée, tu peux arrêter, mais d'un coup trop Saint-Lucien. Mm-hmm. Mais toi, pour essayer d'arriver à ta destination, tu as te faire rouler, toi, les bananes zappées, tu as te rouler, ce qu'elle te dit. Exactement. Alors, mon René, si. C'est ça, ouais, c'est une jolie parole comme ça qui. Ouais, alors Rémi, c'est pas du tout. Il y a une émission en beauté. Exactement, alors même vous les gars, les coachs et joueurs, là, nous remercions tout le monde qui peut suivre Mika Football News, parce que ça va dire là, à part de tout le commentaire positif, vous avez un message critique qui dit Adèle, là, dit ça, et ça, Julie, ici. Vous avez une bonne Mika Football News, parce que Mika Football News, tout ce monde qui là, vous êtes, on connaît là 4000 abonnés. Mmh. Et tout le temps, la crème de la crème. Je ne viens pas, ils ont envie de faire quelque chose. Non, franchement, pour Jazot, nous trier avant qu'il va abonné. Nous trier avant qu'il va abonné parce que si un peut venir faire des autres, bah, tout peut venir des autres. Du coup, nous préférons, quand nous causons, si nous causons, il y a nous mettre un règle. C'est que vous faites des autres, nous mettons des. Ouais, pas voilà, pour les répondants, pas pour les répondants, pas pour les likes, pas pour les annoyés. Mais vous êtes out. Mais vous êtes out complètement. Ça, c'est un bon modérateur. Exactement. Nous voulons toi out, tu vas pour tout ton message, pour tout ton nom. J'ai vu qu'il arrive mon message, on me dit, ah, mais qu'il y a Football News, mais non, mais correct. Nous avons besoin d'une boîte. Et lui, en même temps, nous, c'est une révolution, hein, c'est une révolution. Nous invitons du monde à faire ce qu'il nous peut faire. Pas, au fait, si juste nous qui peut faire, il n'y a pas une révolution. Nous invitons aussi, man qui peut être nous, être capable de faire ça aussi. Faire une émission, invite man les autres footballeurs. Un fait aller, deux fait aller, trois fait aller, jusqu'à 100 fait aller, et dimanche après dimanche, le plus simple, et entendez un côté de football local, l'autre côté football local, et les vignes pareilles, comment on peut football anglais, mais le football local. Pour les gens, mais c'est bon, pas bien. C'est ça, c'est ça. Mais fait aller, c'est bon, comment on dit qu'on dit Kael, pas bien de quoi pucher. Kaila, l'histoire. Mais bon, merci beaucoup à vous les gars. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Big up à vous, Mr. Sorjo. Merci beaucoup à tous. Big up à toi, Arthur. Et on te souhaite tout le meilleur même. Ton continue de briller même. De l'avant encore. Adelang, mon frérot. Tu connais toi. Donc, on a discuté dans le social media. Mais c'est moi qui connais toi, nous ensemble. Ok, ensemble, toujours. Ok, vous êtes. La force, les gars. Avant nous aller, je connais que vous êtes bien, non? Monsieur Sorjo, Arthur, je vous connais, non? Avant nous aller. Peace and love. Peace and love to you all. Peace and love to you all. Mika Football News, pour eux. Mika Football News, pour eux. Boom. Mika Football News, boom. Voilà. Allez, bye bye les gars. Bye. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Bye. Alors voilà Gauthier. Gauthier, ils ont dit ça. Ils ont dit. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai pas vu ça revenir, monsieur Bédard. Ça revenir. Alors, merci à vous. Moi, j'ai un rêve. Un petit rêve, c'est qui Mourouz, je vais pour le championnat d'Afrique. Cannes. C'est sûr. Moi, comme on dit, un rêve, tu aurais oublié, mais tu as fait une réalité. Alors, c'est ça que nous pouvons faire dans le cas Football News, de bérer ça, de tout. Mais nous mettre la main ensemble, de faire ça arriver, là, mais réalité, comme ça, comme si Kozia Bonifem nous disait, nous connaissons qui nous n'achèvent pas à faire sérieux, pour tenir qu'il nous soit arrivé. Alors, voilà, ça, c'est le message très important de l'équipe de Mika Football News. Alors, merci à tout le monde qui nous check nous, hein. Merci à tout le monde qui nous check nous. Merci, Madame Doris, qui est toujours là. Ouais, Doris, etc., Prété, Chabon. Nous ne passons trop beaucoup de messages ici, parce qu'ils nous donnent la parole, nous invités capables, pour attendre un peu, ça va être un moment fort là avec eux. Mais moi, je connais Mika Football News, c'est l'amour, c'est le respect. Voilà, nous bisous à eux pour nous conseiller ce combat-là. Parce que sans eux, pas de prendre Mika Football News, moi, nous disons Gauthier. Mais c'est ça, maintenant. Sans eux, Mika Football News, voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a Europa? Nous, d'un coup, Europa, il y a des minutes, je dis. Alors, Europa. Demande des scores. Bon, pour moi, Europa, Manchester United contre Arsenal, final.
finale. Voilà. Moi, c'est pareil. Ouais, finale, moi, c'est naturel. C'est bon, cette finale-là, ça va vous gagner. Ouais, non, bon, bon, car comme ça, c'était vraiment naturel. Oui, attends, voilà, mais pas de qui suivent Chelsea, qui le plat, qui suivent Carfumonus, comme Arias, il y a Stevie B, il y a Doris. C'est une bonne chance à cette, bonne chance à cette pour le match de demain, je crois. Demain, c'est le match pour Chelsea Real Madrid. Alors, bonne chance à Samadim qui suit cette équipe-là aussi. Il y en a beaucoup, c'est pour les PSG aussi, qui pertinent sa grand match ce soir-là, qui parle même commencer dans 3e temps environ, qui peut commencer. Alors, voilà, une bonne chance à vous, les gars. J'espère que Paris récupère sa travail à City et voilà Paris en finale en décembre. Et moi, termine ça avec un petit chari. Moi, avec Abel, en fait, avant-hier, dimanche, moi, avec Abel, je préparais pour être un football Manchester Liverpool. Et nous avons fini mon stock, nous avons fini la vie, nous avons préparé les jeux, etc. Et juste moi, nous avons fini Paul, nous avons fini sur la table et nous avons fini le football annulé. Et mon connaît dans beaucoup c'est là beaucoup de monde beaucoup de monde qui a ça problème là mais pas qu'à ça monsieur mesdames nous sommes au présent pour divers épisodes. Alors stay tuned pour samedi. Nous beaucoup ban phone call qui fois tenez elle a défendu qu'on pas faire ban live sans qu'ils aient mieux réagi par le premier épisode parce que peut-être que nous allons gagner live prenez qui fait demain qui va le ministère dire hey mon libre demain vous pouvez faire live ou même qui sont arrivés nous pouvons faire live d'ici pour eux. Alors stay tuned chaque fois qu'il y a des nouvelles qui nous peut passer parce qu'il y a n'importe quel moment nous capable arriver dans live et pour une porte à eux un message important. Alors voilà et merci on va pas arrêter. Moi je vais lancer un appel quand le football local nous lance un appel à mon public qui peut être nous capable même qui est sur YouTube et Tropical Jam. Je suis capable de venir portage à Vinjanou avec le portage. Ouais, ça va être nous, hein, parce qu'au fait, nous là, en tant qu'animateur, après, il y a une question qui nous pas osé poser parce qu'il. Au fait, mais c'est. Non, elle a une belle expression, mais nous préférons laisser ma question à eux et poser ma question. Après, nous sommes en public, si je suis capable de participer parce que tu connais, nous sommes cause football. Pour le public, là, nous. Alors, c'est pas un public. C'est quand on a un pion, là, c'est pour ça qu'il y a un vivant public aussi. Enzo, abonnez-vous, mais ça, c'est nous, ils ont participé, nous, café, Enzo, un show, une émission, this public. C'est pas un monde qui va nous jeter avec la football news. C'est pas un groupe de 7 pour commencer, après nous recenser, après 30 minutes, 45 minutes, nous recenser, nous mettre un autre groupe de 7 encore. En tout cas, on va faire comme ça le public. Alors, abonnez un texto et pas oublier même le public, porter à sa bonne nouvelle qui se bégaye le Mika football news aussi. Alors, ça va un jeune athlète qui est dans les Maurice aussi, que ce soit la boxe, athlétisme, football, pardonnez-moi, peu importe, concernant badminton, tennis, concernant le sport. Pour ça, mais ça, je dis que pour la bienvenue le plateau Mika Football News, pour une cause, pour un avenir meilleur, c'est ça, en fait, le concept, pour un avenir meilleur. Alors, pour ça, je dis pas comme ça, c'est pour eux. Pour ça, Bandi Mounessi, qui n'a pas connu, mais il n'a pas tout essayé, là, qui est déroulé. Et ça, pour nous marquer plaisir, parce qu'il y a un athlète qui a énormément de talent dans le pays, pour nous faire vibrer, pour nous donner un petit coup de pouce pour nous de côté. Administrer puis les bons coups. Voilà. Merci Tropical James pour ça cadeau là, ça cadeau magnifique qu'ils ont fait Mika Football News. Alors voilà monsieur. Tropical James et voilà. Peace and love to you all comme d'habitude. Mika Football News pour zone. Boom. Et big up Abel et Sébastien. Ouais, big up à Bézé. Continue à nettoyer. Il a fait des autres là-bas. Allez, vous êtes. Allez, Miga, bonne soirée. Allez, bye bye, mon frérot. Allez. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ouais. Ça va juste, c'est l'équipe, ça. Ouais, ça va juste, l'équipe, ça, ouais. Non, mais une chose. Allez, ciao. Hein? Si tu vas gagner, c'est pas gagné ou réinvité. C'est gagné ou réinvité. C'est pas gagné ou réinvité de suite. Non, mais il n'y a pas de bonheur. Allez, Gauthier, bye. Allez, bye.
Keeping your family, bienvenue au Révolo Mika Football News. M'intéresser pour tout, big up à ceux pour tout le travail que je fais. Si c'est pas la connerie qui m'a fini faire, non, hein, ou des vidéos, famille, des vidéos, des dents, des dents. Tous familles, mon mari, mari, qu'on a trouvé, c'est ça que moi, mon vin là, et mon compte, hein, famille. Pouf, voilà, essoufflé. Voilà, essoufflé, famille, mais merci beaucoup pour tout ce soutien, pour tout le petit message que j'ai envoyé, frère là. Je me suis trouvé, frère là, content. Voilà, content qu'il vient, parce que là, famille, famille, mais grandi. Mais. Pas que ça t'est, pour qu'il vienne tout à l'heure. Allez la famille, bien bon, bien bon, bon, Villa. Breaking news, vous m'avez breaking news, là, si vous êtes Arsenal, si vous êtes Liverpool, c'est m'inquiète moi. Là, pour tout me passer, si c'est bien grand, et nous pas besoin de gagner la ligue, nous. Nous, l'équipe, pour comparer, nous pas besoin de gagner la ligue, nous. Nous, nous, besoin pour venir là-haut, Arsenal, pour venir là-haut, Liverpool. C'est original, ça. Vraiment, rouge, votre famille. La disque au pied, hein, parce que Boulou Rouge, il n'est pas de la famille, Boulou Rouge, c'est vos yeux. Joli jeune homme à croquer. Il y a trop avec maximum du monde qu'on a fait là. Et pas mal surtout la vidéo là, famille. La vidéo là, vous ne devrez pas trouver avec tout ton récit. Tu comprends, c'est l'espoir. Peux-tu continuer à faire ça? La dame pour toi. Alors, le récit, ça. Alors, moi, je dis ça à toi. Peace and love to you all. Make a football episode. Boom.